Alors, qui est encore confiné, qui est au bureau et qui est en mode dégradé, hein? Crois que lorsqu'on voit le drapeau, donc c'est le bureau. Lorsqu'on voit les rideaux, c'est la maison. Exact, C'est un exact. peu ça, non? Moi, personnellement, je suis mi-confiné. Ah, mais voilà, oui, parfaitement, hein? C'est. Donc là, je suis en pleine nature. Eh oui, c'était pas un bon. Pour Mais au Maroc, hein? Mais c'était une sacrée période. effectivement, donc ça a permis de remettre beaucoup de choses en. Très bien, c'est. Est-ce qu'il y a la modératrice? Monsieur Remoudi. Et là. Oui. Allô? Oui, je t'entends. Ah, d'accord, ok. Bonjour tout le monde, je suis en communication avec Madame Roussel. Elle essaie de se connecter.
Je vais faire un webinaire sur Webex, première fois que je travaille fait. Pour partager les documents. Il faut pas un fichier édition partagé. J'ai trouvé partagé qu'un truc de noir. Mon écran, fichier, application, etc. Je ne sais pas comment faire pour partager. Bonjour, on attend juste un petit peu Madame Roussel. Ils sont en train de la contacter. Mais on peut toujours commencer, ce que vous dites? Et bien sûr. Elle est en cours de connexion. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de nous retrouver pour ce webinaire organisé par l'Institut des Finances du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration sur le thème « Quelle formation après le Covid-19? Réflexion et perspective ». Je commence par me présenter. Je suis Sonia Hamamouche, adjointe au directeur des affaires administratives et générales au ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. J'ai l'immense plaisir d'animer ce webinaire. Je remercie les qui constituent cet intéressant panel et qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience et leur point de vue concernant la thématique. Nous avons avec nous six experts, deux opérateurs dans le domaine de la formation de base, études supérieures, en plus de la formation continue au Maroc, Monsieur Rachid Meliani, directeur général de l'École nationale supérieure de l'administration, ENSA, qui est inspecteur des finances lauréat de l'ENA France, de l'ENA Maroc et ingénieur d'État diplômé de l'ENS des Mines. Il était ancien directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, ancien directeur central au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Meliani, merci d'être là. Monsieur Meliani. Oui, merci pour l'invitation. Très bien. Nous avons Monsieur Mohamed Abdellaoui, qui est vice-président de l'Université internationale de Rabat. Il a un doctorat en traitement d'images. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différents secteurs, était membre du directoire du groupe Veolia et actuellement, il est également directeur général de la formation continue de l'UIR. C'est Abdellaoui. Bonjour Arrivé madame, début. merci, merci de votre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons avec nous aussi deux institutions qui forment le personnel de la fonction publique de l'État ou territoriale en France. Nous avons Madame Emmanuelle Hay, chef de projet numérique au Centre national de la fonction publique territoriale, et titulaire d'un master en droit du travail et gestion des ressources humaines, obtenu à l'Université de Nantes, directrice territoriale spécialisée en ingénierie de formation. Elle travaille depuis 14 ans au CNFPT. Madame Hay, Emmanuel, Oui, merci beaucoup pour votre merci d'être invitation. venue. J'espère que Madame Isabelle Roussel s'est connectée. Je ne sais pas si elle est avec nous. En tout cas, Madame Roussel, très bien. Madame Isabelle Roussel est directrice des études à l'Institut de la gestion publique et du développement économique en France, administratrice civile. Et durant les 10 dernières années, elle a travaillé à la Direction générale des entreprises et au ministère allemand des Finances à la Direction générale Europe. Nous avons Madame Roussel. Oui. Très bien, heureuse Bonjour. d'être là. Très bien, merci beaucoup. Merci Bienvenue. de l'invitation. Nous avons aussi deux prestataires de formation, Monsieur Hamid Laoutmani, président du groupe LMS ORH, qui a un doctorat en ingénierie des organisations économiques de l'Université d'Aix-en-Provence en 1989. Monsieur Othmani, marhaba bik. Monsieur Othmani. Merci pour votre invitation et merci de nous avoir associés à cette manifestation. Très bien, le bonheur est pour nous.
Nous avons avec nous aussi M. Abdelrazak Mihamou, qui est directeur général du cabinet Mordecai. Allô. M. Othmani, si vous pouvez couper le micro. Donc, je disais qu'avec nous, M. Abdelrazak Mihamou, qui est directeur général du cabinet Mordecai, titulaire d'un master en management financier et technique boursière et d'un master en e-learning. Si Mihamou. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, je vous demanderai de mettre vos micros en mode mute et de l'activer quand vous voulez prendre la parole. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation qui veille à la bonne diffusion et à la réussite de ce webinaire. Je remercie tous les participants qui se sont intéressés à la thématique. N'hésitez pas à interagir avec le sujet et à poser vos questions dans la rubrique chat. Donc, nous allons réserver en fin de séance une partie pour la réponse à vos différentes questions avec nos experts et animateurs. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Mohamed Al-Kharmoudi, directeur des affaires administratives et générales au ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, pour un mot de bienvenue. M. Al-Kharmoudi. Merci beaucoup, Soumya. Merci à nos experts d'avoir accepté notre invitation pour animer ce webinaire. Et merci pour les participants qui sont joints à nous pour suivre ce webinaire. Monsieur Al Khamoudi, donc un mot de bienvenue de votre part. Sonia? Oui? Tu ne m'entends pas? D'accord. Alors, Sans faire de transition, si vous permettez, j'ai l'immense plaisir d'introduire ce webinaire. Tout d'abord, permettez-moi de remercier mes invités, d'experts intervenants à cette conférence virtuelle qui ont bien voulu se joindre à nous pour échanger et partager leurs expériences sur cette thématique. Quelle formation après le COVID-19, réflexion et perspective. C'est une thématique qui s'impose d'elle-même en raison de la conjoncture. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux participants à distance qui, par leur présence, montrent l'intérêt qu'ils portent à la thématique et qui, je l'espère, vont enrichir le débat et la réflexion avec leurs questions et leurs commentaires. Mesdames et messieurs, nous avons tous vécu des mois difficiles avec cette pandémie du COVID-19 qui a bouleversé d'une manière brusque nos habitudes sur tous les plans, à la fois professionnels et personnels, une situation à laquelle il a fallu s'adapter dans un premier temps, puis réagir dans un deuxième temps. La pandémie du COVID-19 a plongé l'économie mondiale dans l'une des plus graves récessions planétaires depuis des décennies. Au Maroc, comme on l'a remarqué tous, le gel des activités de production et de services dû à des mois de confinement aggravés par la fermeture des frontières avec notamment l'Europe, dont nos exportations dépendent, a frappé de plein fouet plusieurs secteurs. L'économie nationale, telles que les activités industrielles et touristiques, une situation qui aura sans aucun doute des répercussions négatives sur le plan social et sociétal. Cette semaine, vous l'avez bien suivi, le gouvernement a présenté le projet de loi de finances rectificative, une situation qui s'est imposée pour équilibrer un peu les finances publiques et prendre des mesures pour faire face à cette pandémie. L'activité de la formation n'a pas été épargnée par cette crise sanitaire et ses conséquences, puisque les opérateurs de la formation obligés brusquement de reconsidérer leur mode opératoire et leurs offres de formation en procédant à des changements agiles pour garantir la continuité pédagogique. Les nouveaux enjeux de la reprise du post-COVID-19 et les stratégies de la relance économique imposent l'adoption d'une approche du développement des compétences liées à la transformation du métier. L'ingénierie de la formation devra donc répondre à ces exigences pour accompagner l'émergence des nouveaux métiers et la reconversion due à la disparition d'autres. Mesdames et messieurs, la transformation digitale de la formation
et l'appropriation de manière plus générale et plus élargie des nouveaux modes de la formation, c'est une fin en soi que cette pandémie n'en a fait qu'accélérer la cadence. Le monde de l'innovation et la révolution numérique conditionnent notre vie et nous obligent, quel que soit notre secteur d'activité, à nous conformer aux évolutions rapides et à nous adapter à notre nouvel environnement façonné par ces nouvelles technologies en proposant des produits et services digitaux. La transformation digitale de la formation suppose une transformation profonde des processus et des métiers. Le passage au numérique n'est pas seulement l'implémentation de nouvelles technologies digitales, mais aussi l'instauration d'une culture du digital, l'accompagnement de ces acteurs et le renforcement de leurs compétences. L'adoption d'un nouveau mode de formation à travers la mise en œuvre des formations en ligne ou l'organisation de classes virtuelles en remplacement d'une formation en présentiel ne serait atteindre l'objectif de performance s'il n'est pas accompagné d'une stratégie d'adhésion des apprenants et des formateurs à cette évolution technologique et d'une gestion moderne et participative à tous les niveaux. Avec la crise du COVID-19, le développement des compétences a pris une nouvelle dimension. Il nous est demandé d'être de plus en plus innovants en matière pédagogique et technologique et faire preuve d'agilité et d'ingéniosité. Les défis sont nombreux. Nous n'en citerons que deux, les freins au développement d'une culture du numérique et la maîtrise de nouvelles modalités pédagogiques spécifiques au distanciel. Toutefois, et de manière générale, toute crise déstabilise et montre les limites d'un système, faisant de cette crise une source de créativité, d'imagination et d'opportunité. Aussi, réfléchissons ensemble aujourd'hui aux perspectives de la formation après le COVID-19 à travers, notamment trois principales questions, à mon sens. Donc, les nouvelles exigences en matière d'ingénierie de la formation pour répondre aux défis et enjeux de la transformation du métier. Le développement d'une démarche globale, innovante et anticipative pour accompagner cette phase post-COVID-19. Et enfin, l'importance de l'adhésion de l'apprenant et de l'innovation pédagogique du formateur face au changement. Tout en espérant que ce webinaire soit l'occasion d'un échange fructueux et porteur d'enseignements pertinents pour notre transition vers un monde de plus en plus virtuel, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements. Le remerciement du ministère de l'Économie et de Finance et de la Réforme de l'Administration à nos chers invités et participants pour leur mobilisation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Khamoudi. La formation est impactée par la crise sanitaire, vous l'avez très bien souligné. Le plus évident est que les cours en présentiel étaient arrêtés. Toutefois, elle nous a permis de nous détourner de notre quotidien pour repositionner notre mode de travail et de reclasser nos priorités. Donc, derrière le retrait et la non-action qu'on a vécu pendant le confinement, s'est dégagée une dynamique pour retrouver d'autres styles de vie, d'autres pratiques, façon un autre schéma d'avenir. Donc, pour ce qui est de la formation, mener la réflexion à cette phase profiterait de l'expérimentation faite pendant cette période et l'on pourrait se projeter dans l'avenir. Donc, ma première question est pour nos panélistes. Et comment vous avez vécu ces derniers mois et quel enseignement peut-on tirer? Alors, peut-être je vais commencer par Monsieur Meliani. Monsieur Meliani. D'abord, je souhaite de premier abord vous féliciter de l'organisation de cette visioconférence sur un thème de grande importance. Qui est la formation, et je tiens à vous dire à quel point je suis très heureux de prendre part à cette réflexion et ce moment d'échange. Je tiens par ailleurs, et c'est quand même très important, à saluer le ministère de l'Économie et des Finances et de la Réforme de l'Administration et toutes ces composantes qui se sont mobilisées et ont parfaitement accompli leur mission pendant cette crise, sans précédent. Au-delà de votre pudeur professionnelle, je sais, Monsieur le Directeur, cher ami Khamoudi, que vous y êtes pour beaucoup. Et bien évidemment, c'est une, comme vous l'avez souligné, voilà que le monde entier est embarqué dans un scénario de pandémie mondiale, doublé d'une apoplexie économique généralisée. Donc, il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour constater qu'il y a des réponses qui ont été mises en place par l'ensemble des États
à tous les niveaux, sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, sur le plan, je pense, le service public, l'allocation des ressources humaines. Donc, bien évidemment, pour les institutions qui travaillent sur la formation, c'était un moment où il fallait titiller un petit peu le dispositif de notre résilience, et donc il fallait s'adapter avec tout le dispositif qui a été mis en place par les politiques publiques. Mais ce qui est important à souligner, et peut-être je vais engager rapidement le débat sur les propos de mon intervention, c'est que les politiques adoptées, leurs conséquences ne cessent pas d'alimenter le débat public sur la gestion de la crise, bien évidemment, mais l'après-crise également. Et tout le monde, citoyens, fonctionnaires, élèves, hommes de la science, politiques, tous jugent les dispositions qui ont été mises en place, mais en même temps se livrent au jeu de faire et de refaire le monde d'après. Donc, quelles que soient les approches et les visions des uns et des autres, ce que nous avons senti, qu'il y a une appétence pour le changement, et bien évidemment, mettant à profit cet élan de solidarité qui s'est installé, et pour espérer enfin le grand sursaut vers un modèle plus centré sur l'humain. Alors, la question peut-être sur laquelle on doit apporter des éléments de réponse à l'occasion de cette conférence, c'est de dire comment envisager les politiques de développement post-Covid et comment mettre en place un dispositif de relance. Disons que je pense personnellement que toute pensée doit être, dans ce sens, doit être engagée dans une réflexion d'ensemble qui permet d'interroger notre modèle de développement à la lumière des enseignements à tirer de cette crise. Et pour cela, donc, j'ai essayé d'articuler un petit peu mon intervention sur trois points qui me paraissent essentiels, mais non sans leur logique séquentielle. Et donc, le premier élément, c'est que la formation reste un levier important, essentiel dans toute stratégie de relève, de relance et dans toutes les politiques de développement. Et peut-être c'est une pièce maîtresse sur laquelle les concepteurs des politiques de développement qui vont arriver après la crise sanitaire doivent prendre appui. Deuxième élément, derrière tout ça, il y a un enjeu de rénovation pédagogique. Il y a un monde qui change et forcément on est appelé à adapter toutes les approches, comme l'a été précisé par M. le directeur, pédagogiques pour essayer de faire face à cette exigence. Par ailleurs, j'aimerais bien, parce qu'on est quand même on est en train d'organiser le débat au sein du ministère de l'Économie et des Finances, je voudrais, dans un troisième point, aborder la question de la crise de la mémoire au niveau de la sphère publique. C'est quand même très important parce que je crois qu'on a pris appui dans la gestion de la crise sur la mémoire des institutions qui souffrent d'une crise extrêmement importante. Et je finirai par dire une chose très importante qui me semble une sorte de synthèse qui peut être heureuse et qui fait la jonction entre l'enjeu de la pédagogie qu'il faut rénover et la réhabilitation de la mémoire, et qui consiste à mettre en place un vrai dispositif de gestion de la connaissance et du knowledge management à l'échelle de la sphère publique. Donc, sans tarder, je vais aborder le premier point qui concerne la formation et les politiques de développement. Donc, bien évidemment, il faut dire que le Maroc est engagé actuellement dans une réflexion multidimensionnelle pour la rénovation de son modèle de développement. Et donc, ceci aura certainement des conséquences sur les paradigmes et les structures de résilience à la fois économique, sociale et politique. Et le Maroc est appelé certainement à intégrer les dynamiques lourdes de cette crise et à reconsidérer à leur lumière peut-être les futures options sur lesquelles on doit prendre appui. Parmi les constats qui émergent à l'occasion de ce débat sur la rénovation de notre modèle de développement, c'est que notre projet national de développement, on a constaté qu'il ne met pas suffisamment en avant la contribution du management public. Et par management public, je fais référence au leadership public, à la haute fonction publique, bien évidemment, à la formation, à l'éthique dans le service public. Donc, dans les politiques de développement et les stratégies qui vont arriver par la suite, notre pays est appelé à intégrer de manière fondamentale dans la matrice globale la formation.
tout simplement parce que l'élément humain reste un levier distinctif de la rénovation et la transformation du monde de travail, l'évolution des pratiques professionnelles entraîne des changements profonds qui exigent que l'on travaille sur l'émergence d'un certain nombre de compétences nouvelles et des métiers nouveaux aussi. Et au-delà du débat, par exemple, sur le statut général de la fonction publique, il y a lieu de rénover même les pratiques des ressources humaines. Je pense que la GRH publique a été rarement une réelle priorité pour les décideurs publics. Donc, bien évidemment, on est conscient que le changement des règles ne suffit pas. C'est une transformation radicale de la culture du travail qu'il faut mettre en place. La formation initiale, la formation continue, l'apprentissage au milieu professionnel sont autant de moyens à promouvoir pour diffuser cette culture de la transformation. J'insiste sur l'aspect de la haute fonction publique qui, à mon sens, peut avoir un effet d'entraînement extrêmement important et qui doit faire l'objet d'une réflexion globale sur le mode de recrutement, d'accompagnement, et il convient absolument de mettre en place un vrai vivier de hauts cadres à haut potentiel avec l'ambition de les préparer et les former à gérer la complexité de l'action publique et à intégrer dans leur façon de faire un management qui soit agile. Donc avec la crise du Covid, on constate que le développement des compétences a pris une dimension extrêmement importante. Donc levier d'engagement des salariés ou des fonctionnaires, bien évidemment, mesures complémentaires à l'activité partielle. Il y a une réflexion sur le plan économique et social qui intègre la composante de la formation comme étant un élément fondamental. La rénovation aussi des services publics qui implique la mobilisation de l'ensemble de ces composantes. Alors, bien évidemment, ça nous renvoie à un aspect très important. C'est le deuxième point qui consiste à rénover notre pédagogie. Alors, cette rénovation doit prendre trois directions, à mon sens. La rénovation des méthodes, la prise d'option sur le numérique, et par la suite, il y a un besoin de massification de notre écosystème national de la formation supérieure. Alors, dans ce contexte, les prestataires de la formation, il faut le dire, pas que les prestataires privés, mais aussi toutes les institutions qui travaillent sur la formation, auront un rôle central à jouer pour développer une offre adapté aux nouveaux enjeux de la reprise et d'éventuelles réorientations et un éventuel réadressage des politiques publiques. On vient de le constater avec le collectif budgétaire qui a été adopté en Conseil des ministres cette semaine. Donc, ils devront montrer leur capacité à innover en matière d'ingénierie pédagogique, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut rompre avec les outils pédagogiques classiques. Il faut aller vers les études de cas, vers la confection d'autres outils, de manière qu'ils soient inspirés par notre contexte national et pour la confection des outils dont l'appropriation peut être facile. Et je pense que les nouvelles perspectives qui se présentent actuellement exigent des outils pédagogiques et technologiques, l'agilité des méthodes, la construction des parcours. Et parmi un certain nombre d'options, il y a la digitalisation ou la numérisation de l'offre qui a été accélérée par un certain nombre de mesures de confinement. Donc, on a constaté qu'en quelques semaines, l'écosystème de la formation supérieure, dans une ambition d'assurer la continuité pédagogique, s'y est engagé dans l'urgence, soutenu bien évidemment par des initiatives solidaires. Mais ça reste un apprentissage à marche forcée, donc qui a durablement changé les esprits, mais dont on doit aujourd'hui tirer les leçons. Je pense sur le terrain, sur cet aspect, bien évidemment, les prestataires ont fait de cette contrainte une opportunité. Cette séquence a clairement, et ça c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, a levé de nombreux freins et a développé une culture du digital. Mais cela a aussi révélé l'importance de maîtriser les nouvelles modalités pédagogiques spécifiques au distanciel. Ce ne serait pas une erreur de penser qu'il suffit juste de transposer une session présentielle dans le distanciel. Et donc, les outils et les plateformes technologiques ne font pas tout. Loin de là, au contraire, le distanciel
dans le distanciel, le formateur ne disparaît pas. Il est plus que jamais essentiel parce qu'il a besoin de créer des liens avec l'apprenant, d'animer l'activité, de maintenir l'engagement. Et pour cela, on peut s'appuyer sur les méthodes d'interaction, des méthodes où le formateur, à travers des séquences synchrones ou asynchrones, mais au-delà de tout ça, pour le formateur, pour l'apprenant, pour l'écosystème, il s'agit d'une transformation culturelle qu'il faut aborder. Alors, bien évidemment, on ne peut pas faire ce saut qualitatif sans oublier une chose très importante, c'est que nous avons un système, un écosystème national de la formation dans lequel il y a peut-être les prestataires de services, il y a les universités, les écoles, il y a aussi le milieu professionnel qui a besoin de maturer dans le sens où on peut mutualiser, commencer à travailler sur des approches d'innovation dans le cadre d'un certain nombre de programmes qui sont alignés sur les politiques de développement. Et donc, au-delà des approches et des expériences avant-gardistes, par exemple, d'un certain nombre d'universités privées ou d'écoles publiques, il s'agit bien évidemment de stimuler l'ensemble de l'écosystème national pour que toute initiative, toute préfiguration, toute expérimentation peut être impactante. Alors, ce qui me ramène au troisième point que je voulais aborder, et donc comme ça on va focuser sur la sphère publique, c'est le problème de la mémoire dans la sphère publique. Donc on a constaté que, bien évidemment, le problème de la gestion de la mémoire et de sa valorisation au sein de la sphère publique pose un problème. Le constat aujourd'hui, c'est que l'administration publique commence à perdre sa mémoire, elle a des difficultés à conserver sa mémoire et son savoir-faire. Et il me semble que ce constat peut être expliqué par trois choses. D'abord, je crois que les mécanismes de transmission, d'apprentissage, ce qu'on appelle les mécanismes de formation dans un milieu professionnel, ne fonctionnent plus. Parce que même les valeurs sociales qui permettaient tout ça ont disparu. Donc on n'est plus dans la transmission, dans la patience, dans l'encadrement. Et donc ces mécanismes, on commence à les perdre dans la sphère publique. Deuxième élément qui explique ce constat, c'est qu'il y a des départs massifs à la retraite. Et les départs massifs à la retraite, c'est toujours des bribes et des morceaux de la mémoire qui partent et qui sortent de la sphère institutionnelle. Et je crois que, quelque part, les administrations publiques doivent aborder la question des départs à la retraite, pas sur un plan juridique, en conformité avec le statut général de la fonction publique, mais essayer plus ou moins de gérer des éléments qui peuvent appauvrir l'administration à travers ces départs. Troisième élément explicatif, c'est, on l'a constaté, dans les institutions, il y a un recours presque abusif au cabinet conseil, dont il y a des cabinets de grande valeur, mais le problème, c'est que l'intervention des cabinets conseil, parfois, pousse l'administration à être passive. Ils viennent, ils commencent à réfléchir à la place de l'administration, et parfois, ils partent avec la mémoire de l'administration. Je pense, quelque part, on constate qu'il y a un appauvrissement de toute la connaissance au niveau de l'administration publique, et il y a même un marché secondaire de la mémoire qui s'installe entre les cabinets, il y a même des ministères et des institutions publiques qui sont obligées d'acheter la mémoire. Donc moi je trouve qu'il y a une dimension souveraine très, très importante pour laquelle il faut rester vigilant. Et donc l'absence de ce dispositif associé au départ, disons massif à la retraite, la défaillance des mécanismes de transmission classiques d'apprentissage, ainsi de suite, et le savoir-faire qui va avec, conduit donc l'administration à acheter la mémoire. Et donc, je pense que c'est une question sur laquelle il faut qu'on soit vigilant. Alors, donc, nous avons un souci pédagogique d'une part, et un souci de préservation et de reconstitution de la mémoire, donc la mémoire de la sphère publique. C'est pourquoi nous avons pensé que ce serait important de mettre en place un dispositif de knowledge management à l'échelle de la sphère publique. C'est un chantier qui consiste à mettre en place un système de capitalisation, une capitalisation permanente de la mémoire et le partage des connaissances.
Et dans le cadre de ce travail de réflexion, nous avons travaillé au niveau de l'école avec un certain nombre de partenaires à l'échelle nationale, mais également des partenaires à l'international, pour mettre en place ce qu'on appelle une centrale de confection des études de cas, qui soient des études de cas marocaines, contextualisées. Et bien évidemment, je pense que l'outil privilégié dans les universités américaines, ainsi de suite, à chaque fois qu'on parle de la rénovation pédagogique, on fait référence à des outils comme ça. On a mis en place ce dispositif pour d'abord, parce que pour confectionner des études de cas, les ingrédients ne sont pas nombreux. Hein, donc on a besoin d'avoir une expertise, parce que ça demande l'expertise qu'il faut chercher à l'international, les méthodes de confection des études de cas, les sources documentaires. Donc je pense que nous sommes dans un contexte où normalement toutes les institutions qui travaillent sur la rénovation doivent avoir un accès à la documentation publique. L'École nationale de l'administration, de par son histoire et ses connexions, son ancrage institutionnel, dispose parfois de cette capacité à accéder à cette documentation. Et le quatrième élément dans la confection des études de cas, c'est les narrateurs. Et les narrateurs, bien évidemment, ce sont les acteurs publics, mais en grande partie, ce sont les personnes qui partent à la retraite. Il y a beaucoup de commis de l'État qui partent à la retraite, qui étaient à un moment donné dépositaires de la mémoire et du savoir-faire au niveau de la sphère publique. Je crois qu'il y a possibilité de les recycler dans ce système qui consiste à retravailler la mémoire. Alors, on va les ramener pour qu'ils soient partie prenante dans la confection des études de cas. Et donc, on va confectionner des études. Il vous reste 2 minutes. C'est bon? Je vais conclure. Et donc, il faut confectionner des études de cas, bien évidemment. Le moment de confection des études de cas, c'est un moment de reconstitution de la mémoire. Et donc, on va prendre les études de cas qui sont contextualisées, qui sont marocaines, on va les mettre à la disposition de l'écosystème national de la formation supérieure. Et par la suite, on va saisir l'occasion pour réécrire la mémoire et la restituer au niveau des institutions. Il faut créer un cercle vertueux donc, qui permet de recycler la mémoire. Les éléments de mémoire peuvent être des éléments importants et qui peuvent impacter l'innovation pédagogique au niveau de la formation. Alors, je vais conclure dans une minute. Hein, donc, juste, je voudrais parler d'un élément qui me semble très important. La crise a mis en évidence également, à côté de ce que je viens de dire, les liens qui existent entre les savoirs, les pouvoirs et l'opinion publique. Donc, parmi les principaux marqueurs de la gestion de cette crise, on a constaté le positionnement des experts dans le débat public et on a constaté à quel point ils ont une parole porteuse. Et c'est un constat qu'on a tout suivi tout au long des principaux temps de passage dans la gestion de la crise. Donc face à la complexité des problèmes qui vont se présenter par la suite et auxquels va être confronté notre pays, je pense qu'il est important d'espérer d'avoir une science englobante. D'accord. Et les savoirs et les connaissances scientifiques qui ont été trop incertaines parfois ou méprisées pour entraîner des décisions publiques. Donc, il faut aujourd'hui, à mon sens, se poser un certain nombre de questions qui me semblent légitimes. Alors, ces questions, elles sont au nombre de 4. Est-ce qu'on peut parler de l'émergence de la science comme légitimité supplémentaire ou complémentaire dans la construction de l'action et politique publique? Deuxième chose, je crois qu'on peut espérer, dans l'après-Covid, un savoir consolidé sur l'action publique et son évolution, comme dans la prise en compte des connaissances pour l'opinion publique et par les autorités politiques. On peut également interroger nos capacités à tisser des liens entre la sphère publique et institutionnelle et entre le monde universitaire, le monde de la recherche, pour permettre l'émergence d'une véritable opinion publique. Donc ce travail, il doit alimenter les institutions, mais aussi il doit maturer et argumenter le débat public. Et dernière question, comment peut-on consolider l'expertise de crise pour construire l'expertise en temps ordinaire? Donc pour finir mon intervention et pour clore mes propos par rapport à ce moment de transition qu'on est en train de vivre, je me permets de citer la célèbre réflexion d'Antonio Gramsci, qui dit que l'ancien monde se meurt,
le nouveau monde qu'on attend tarde à apparaître et dans cet éclair obscur apparaissent les monstres. Et donc, pour éviter l'émergence ou la naissance des monstres au sens d'Antonio Gramsci, j'émets en guise de conclusion le souhait d'un écosystème de formation qui prendra à bras-le-corps la question de la rénovation des politiques de développement et le renouvellement du regard sur l'action publique et sa complexité en repensant ses fondements et en questionnant de manière permanente les articulations nécessaires avec les stratégies de développement. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Meliani. C'était riche. Enfin, tout l'autre challenge, bien sûr, c'est le knowledge management. C'est comment saisir cette connaissance, la partager, la manager, et c'est le véritable capital. Donc, ce qu'on avait prévu, c'était de faire une intervention sur deux temps, une partie sur l'expérience passée, une partie sur les perspectives. Du moment que vous avez choisi de traiter la globalité, donc peut-être que j'inviterai les autres panélistes à faire de même, parce qu'on ne peut pas parler de la période passée sans se projeter dans le futur. Effectivement, on est dans la dynamique et on est dans le mouvement. Et du coup, peut-être dissocier les deux ne serait pas commode. Là, on est en train de restructurer le débat du moment que vous l'avez initié ainsi. Donc, le retour à la situation d'avant-confinement ne va pas se faire de sitôt pour plusieurs raisons, notamment budgétaires, sanitaires et logistiques. Donc, la mise en place de plans de continuité pédagogique réadaptés à un grand pourcentage en formation à distance est très utile et très nécessaire. Donc, si la digitalisation de la formation s'est imposée comme source de valeur ajoutée, comment justement la mettre dans la continuité et dans la pérennité? Donc, je vais interpeller Seb Laoui pour... traiter la globalité, c'est-à-dire comment vous avez vécu la période précédente, tout en posant les questions sur la future période. Et si on suppose que, par exemple, pour l'année prochaine, on se dit qu'on sera à 100% en formation à distance, le présentiel ne revient pas, comment on va faire? Qu'est-ce que vous avez retenu comme point fort de l'ancien, des 4 mois qu'on a passé? Quelles sont les difficultés, les points jugés méritant amélioration? Donc, M. Abdelaoui, du moment que vous êtes à l'UR, vous avez certainement un regard aussi bien sur l'enseignement que sur la formation continue. M. Abdelaoui, je signale qu'on a prévu 10 minutes. Donc, je n'ai pas pu arrêter M. Meliani, c'était passionnant, mais je suis sûre que vos interventions sont aussi précieuses, mais juste pour respecter le temps qui vous est imparti. Donc, vous avez 10 minutes, c'est de la vie. Très bien, je vais même peut-être faire un peu plus court. Je vous remercie, encore une fois. Je remercie l'ensemble des panélistes, particulièrement nos deux dames qui sont en France et qui interviennent sur ce panel-là. Et je crois que c'est la démonstration de cette rencontre, de ce webinaire, démontre parfaitement qu'il y a un changement profond qui est en train de s'opérer dans nos méthodes de travail, dans nos méthodes de formation, etc. etc. Il y a encore 6 mois, je pense, qu'il aurait été impossible d'organiser cette réunion telle que nous l'avons aujourd'hui, avec des dames qui sont en France, d'autres personnes qui sont ici au Maroc, et on aurait pu avoir d'autres personnes à travers le monde. C'est un très bel exemple de ce que cette crise a apporté comme rupture. Le thème de ce webinaire est « Quelle formation après le Covid ? Réflexion et perspective ?» Et moi, j'allais proposer de mettre « Quelle ?» avec S et formation avec S. Puisque je distinguerai dans mon intervention la formation dite initiale, et si Meliani en a parlé tout à l'heure, de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie aussi, comme c'est appelé aujourd'hui à travers le monde francophone du moins. Je commencerai par la partie universitaire. En fait, je commencerai par dire « vive la crise ».
Et merci le Covid. Merci le Covid. Et si on pouvait avoir de temps en temps des petits Covid comme ça régulièrement, ça nous remettrait en cause et ça nous a permis de nous remettre en cause d'une manière très profonde. L'un des grands regrets dont a parlé Steve Jobs, très connu, et il disait à la fin de sa vie professionnelle, de sa vie tout court, il avait un grand regret, c'est qu'il n'était pas arrivé à impacter durablement le monde de l'enseignement, de la formation, en y introduisant les outils numériques. Il a révolutionné les systèmes d'information, il a révolutionné le monde des médias, il a révolutionné le monde du cinéma, de la vidéo, de l'audio, je veux dire, etc. Mais il n'est pas arrivé à impacter, en tous les cas, d'une manière sérieuse, le secteur de l'enseignement, avec un grand E, j'inclus dans l'enseignement, tout type d'enseignement du primaire jusqu'au supérieur, et en y mettant également la partie formation continue. Alors pourquoi ? Parce que c'est un monde extrêmement conservateur. J'en fais partie, donc je me permets de le dire comme je le pense, c'est un monde extrêmement conservateur, extrêmement difficile à faire bouger. Et ce que nous a apporté cette crise est juste exceptionnel, et j'espère que nous pourrons collectivement en tirer les bonnes conclusions. En 2 semaines, à l'Université internationale de Rabat, nous avons converti la totalité de nos enseignements à distance. Cela fait 3 ans que nous avons écrit dans notre stratégie, dans notre plan stratégique quinquennal, la formation à distance, le e-learning, tout ce qui est digital. En 3 ans, nous avons fait bouger un petit chouïa les choses, et ce que nous avons fait en 2 semaines, entre le 13, 14, même pas 2 semaines, en 10 jours, entre le 15, 14 mars, je m'en rappelle très bien, et le 23, 24 mars, nous ne l'avons pas fait en 3 ans. C'est tout simple. Déploiement d'outils, formation des enseignants et adaptation et information des étudiants, etc. Quels sont les points positifs à en tirer ? Et quels sont les points d'amélioration ? Les points positifs, c'est que des fois, il faut bousculer les habitudes et toute période de changement est une période porteuse d'angoisse, mais finalement porteuse d'espoir également. Il faut arriver à bousculer les choses. Il faut y arriver à bousculer les choses, d'autant plus que la génération montante aujourd'hui, cette jeune génération, cette jeune par rapport à moi en tous les cas, qu'on appelle les millennials, ces jeunes qui sont nés dans les années 80 et 90, ils sont beaucoup plus agiles que nous l'avons été dans les années un peu avant. Ils sont toujours à la recherche d'apprendre, d'innover, de s'adapter, etc. Mais il faut répondre à ce trait de caractère, parce que pour eux, nous on s'est aperçu d'une manière absolument flagrante que nos étudiants avaient préféré cet enseignement à distance. Nous avions des taux de satisfaction beaucoup plus élevés, nous avions des taux de présence encore plus élevés, tout en sachant que les outils aujourd'hui vous permettent de mesurer le taux de satisfaction en temps réel et le temps de présence en temps réel. Ce qui n'est pas toujours facile de faire quand on est dans un amphi ou dans une salle de TD ou de TP. Donc, la cible, elle est tout à fait à l'écoute et ouverte à ce changement. Les enseignants qui au départ étaient extrêmement frileux, eh bien, une fois qu'on les a un petit peu accompagnés, un petit peu obligé, un petit peu formé, et bien maintenant, ils adorent ça. Ils trouvent ça magnifique. Maintenant, ils en redemandent. Donc, on est en train de vivre quelque chose, il faut le faire, il faut en prendre conscience, de très profond. Je vais vous dire un chiffre, je vais regarder mes notes pour ne pas vous raconter de bêtises. Au mois de mai, il y avait plus de 200 pays à travers le monde qui ont fermé l'intégralité de leur université et école. Plus de 200 pays à travers le monde au mois de mai.
Et donc, c'était pour assurer une continuité académique. Tout le monde y a été franchement. Quels sont les risques? La fermée, c'est-à-dire en présentiel ou bien la fermée complètement? Présentiel, pardon, vous avez raison de me faire préciser. La fermeture en présentiel, et toutes les universités à travers le monde ont transformé leur formation à distance. Alors, quels sont les points d'amélioration? Ça, là, bien évidemment, la crise, ces réactions immédiates, ce que Emiliani le répétait tout à l'heure. Maintenant, il faut quand même prendre un peu de recul et dire, voilà, c'est quoi l'avenir? Comment doit-on réfléchir? Il faut améliorer la pédagogie à distance, n'est pas la pédagogie en présentiel. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes aujourd'hui dans une réunion à distance, ça n'a rien à voir avec une réunion en présentiel. On serait en présentiel, ce serait d'autres interactions, il y a communication infraverbale, il y a toute une scénarisation, etc. Là, c'est tout à fait différent. Donc, il faut former ces enseignants, il faut les accompagner pour développer leurs compétences de formation à distance. Il faut adapter les programmes, il faut adapter les outils pédagogiques et les outils d'évaluation également à distance. Donc il y a un travail quand même. Nous avons fait quelque chose sous la pression de la crise, de la pandémie. Il faut bien évidemment prendre le meilleur et améliorer ce qui a le moins marché. Et puis il ne faut pas avoir des dogmes. Mais je pense que penser que demain sera totalement digital ou à distance est une vue de l'esprit. Je pense que nous allons nous orienter de plus en plus vers quelque chose qui soit du blended. Donc au niveau de l'enseignement supérieur, voici les opportunités qui, à mon avis, se présentent à nous, les menaces également. Et quelque part, une opportunité pour les pays tels que le nôtre, où nous avons depuis des années des réflexions sur la rénovation de l'université, de l'école marocaine, et on a eu plusieurs plans stratégiques relatifs à l'enseignement et l'éducation, qui ont, leur avantage et leur inconvénient. Et rappelez-vous, juste avant la crise, il y avait un très très grand débat au Maroc sur la refonte de l'enseignement supérieur pour ne plus être en Bac plus 3, système LMD, que très connu en France, donc 3, 5, 8, hein, licence en 3 ans, master en 5 ans et doctorat en 8 ans. Et on était en train de réfléchir sur, on va passer en 4 ans pour le bachelor, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller vers le système américain. Ce système sur lequel nous y étions il y a 20 ans. Finalement, la question aujourd'hui, d'abord ce débat est complètement clôturé, et finalement le débat, ce n'est pas une question de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, etc. Ça nous oblige aujourd'hui à réfléchir d'une manière encore plus profonde à notre système de formation et de dire que, avec les moyens qu'on a, n'avons-nous pas intérêt à développer du contenu de très haute qualité et à permettre à tout jeune Marocain, et je parle de l'école aussi, attention, je parle de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et de permettre donc d'amener du contenu via donc les outils de télécommunication jusqu'au coin les plus reculés, et c'est probablement une opportunité historique pour des pays tels que nous, tels que le nôtre, donc des pays en voie de développement. C'est probablement une opportunité historique pour développer un nouveau mode d'enseignement. Je vous donne quelques chiffres encore une fois, je ne vais pas vous assaillir de chiffres. Il y a aujourd'hui des universités qui sont totalement numériques et d'une très grande qualité à travers le monde. On en citer quelques-unes, mais je peux vous donner juste l'université américaine. Il y a 200 000 étudiants, c'est tous des étudiants numériques. Il n'y a pas d'amphi, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de... Voici ma réflexion sur la partie enseignement. Sur la partie formation continue, formation tout au long de la vie, là aussi, il y a quelque chose qui est important. À l'Université internationale de Rabat, il était impossible
de proposer à une institution, qu'elle soit privée ou publique, et cette dichotomie me gêne souvent parce qu'on a l'impression qu'il y a privé ou public, quelle que soit sa nature, il était impossible il y a 6 mois de proposer à une institution, je répète, publique ou privée, de faire une formation en e-learning ou à distance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'on nous sollicite. Nous travaillons avec les banques, nous travaillons avec l'administration, nous travaillons avec vous, mesdames et messieurs du ministère des Finances, nous travaillons avec d'autres départements ministériels marocains, nous travaillons avec des associations professionnelles. Et encore, juste hier, j'étais en réunion avec une association professionnelle qui disait qu'aujourd'hui, il faut absolument, pratiquement ne plus proposer en termes de formation continue, des formations en présentiel. Et il faut donner donc la possibilité à l'entreprise, avec un grand E, qu'elle soit établissement public, qu'elle soit administration, que ce soit privé, etc., d'avoir accès à cette information à tout moment. Et aujourd'hui, les collaborateurs, les collègues de ces établissements sont dans une logique où ils peuvent aller avoir, on utilise maintenant des termes qui sont un peu à la mode, mais bon, qui valent ce qu'ils valent, tout ce qui est macro-learning et micro-learning, c'est-à-dire des gens qui vont suivre des cycles de formation et qui vont aller piocher sur des petits cycles de formation à droite, à gauche, pour compléter, renforcer leur formation. Le rôle aujourd'hui de la direction des ressources humaines n'est plus de définir un plan de formation, même si pour préalable on fait une ingénierie de formation, on fait collecte des besoins, etc., et après on fait un plan de formation. Aujourd'hui, on doit pouvoir avoir un outil en ligne permettant d'offrir aux collaborateurs la possibilité de piocher dans cette formation-là. Bien évidemment, tout ça est encadré par la stratégie de l'institution en question et permettre ainsi à chaque collaborateur de vivre sa propre expérience. C'est-à-dire qu'il choisit les axes de développement qu'il souhaite mettre en œuvre par rapport à ses fonctions, par rapport à son évolution, par rapport à ses responsabilités, et avoir sa propre expérience d'apprentissage. Encore une fois, n'oublions pas que nous avons aujourd'hui affaire à une génération, celle qui aujourd'hui arrive aux commandes. Nous avons affaire à cette jeune génération qui aujourd'hui sont des quadras, c'est ce qu'on, comme je vous ai dit tout à l'heure, des millennials. Je finis, une minute. Et de plus en plus des gens qui sont à la recherche de changement. C'est fini la fonction à vie où on rentre dans un poste et on en ressort uniquement en tant que retraité. Aujourd'hui, un individu dans sa vie professionnelle, en moyenne, les études internationales, peut-être qu'elles ont changé, les chiffres sont un peu vieux que je vous donne, mais changent en moyenne. Aux États-Unis, une personne change 6 fois de travail dans sa carrière professionnelle, ce qui était impensable dans la génération qui nous précède. Voilà un petit peu mes réflexions là-dessus. Merci, c'est la vie. Bon, vous n'avez pas fait moins. De toute façon, c'était bien sûr riche. Et même si on appartient à d'autres générations, à une autre génération, pas la génération de l'enseignement de base, je crois qu'on est tous pris dans ce changement du digital. Et bon, la crise était un accélérateur de changement et de modalités formatives. Donc, je vais m'adresser à Madame Hay du Centre national de la fonction publique territoriale, qui ont comme population, bien comme client, disons, c'est les fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui sont répartis sur la région des régions en France. Et puis, donc, cette crise, ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a si peu, maintenant, on est dedans. Donc, c'était véritablement un motif et un catalyseur pour qu'on puisse changer nos modes de vie. Donc, Madame Hay, quelles étaient, pendant la période passée, quelles étaient vos priorités et quelles sont vos orientations stratégiques post-Covid ? Non seulement par rapport aux offres de formation, mais également en matière d'accompagnement de vos partenaires. Merci. Madame Hay. Oui, vous m'entendez? Oui, à vous la parole et vous avez 10 minutes.
D'accord. Voilà. Vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien. Alors, juste deux, trois mots sur le CNFPT. Hein. Voilà, nous sommes effectivement l'opérateur national de formation des fonctionnaires qui travaillent dans nos collectivités oui. territoriales. Donc, ça représente 1 800 000. Seb, là, oui, je vais vous demander de couper votre micro. Voilà. Donc, ça représente 1 800 000 agents qui sont dans les trois catégories statutaires, hein, des agents qui sont en catégorie A, en catégorie B, en catégorie C, qui potentiellement représentent plus de 230 métiers différents, hein, dans une situation administrative décentralisée, donc avec des compétences particulières en fonction des types de collectivités, les communes, les départements, les régions, les intercommunalités. Et donc, un établissement de formation qui est très, très éparpillé sur le territoire français, métropolitain et outre-mer. Voilà. Une particularité importante, nos formateurs ne sont pas des salariés de notre établissement, ce sont des vacataires ou ce sont des prestataires qui sont recrutés en marché. Voilà, donc. En ce qui concerne la situation que nous venons de vivre. Madame Hay, désolée de vous interrompre, juste avant que vous passiez à la présentation après le CNFPT, j'aimerais juste rappeler nos participants qui peuvent bien sûr poser leurs questions sur le module chat. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux participants. Donc, nous avons 183 inscrits avec 81 qui nous regardent maintenant en direct et qui s'ajoutent. Désolée, Madame Hay, vous pouvez continuer. Donc, je disais que la situation qu'on vient de vivre, en fait, nous a permis de rentrer très rapidement dans l'accélération d'un mouvement qui avait été initié dans notre établissement il y a maintenant 4 ans, où à l'époque, voilà, on avait mis en place une direction numérique avec le souhait de progressivement monter en charge dans ce domaine, mais sous la forme, une forme plutôt blended, hein, plutôt de l'hybridation de formation, et non pas du tout pour toute notre offre, pour une petite partie de notre offre catalogue. Et à côté de ça, de mettre en place du social learning à travers une communauté accessible aux stagiaires et aussi la mise en place du MOOC avec un partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur en France. Et donc, on avait déjà cette chance d'avoir un entrepôt de ressources formatives, c'est-à-dire on a capitalisé déjà pas mal de ressources. Et on a déjà depuis plusieurs années un LMS en activité. Alors, du coup, on a, je vais d'abord vous donner le descriptif, on a tout mis dans le panier, si je veux dire, c'est-à-dire qu'on a vraiment ouvert largement à nos publics toutes ces modalités, c'est-à-dire que tous nos MOOC ont été réouverts en même temps, ils sont d'ailleurs toujours sur la plateforme FunMOOC. Pour avoir voilà leur permettre pendant la période du confinement d'avoir la possibilité de s'inscrire sur autant de MOOC qu'ils le souhaitaient. Nous avons aussi, je crois comme beaucoup hein, de centres de formation, démultiplié la possibilité de faire du synchrone en webinaire. Donc beaucoup de webinaires ont été organisés dans les différentes structures de l'établissement et aussi pour faire fonctionner l'établissement d'ailleurs. Au sein des équipes internes des ingénieurs pédagogiques. Nous avons aussi mis en place des rapid learning, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on va reprendre un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques très sollicitées par les stagiaires des collectivités, et on va créer des petits modules d'un quart d'heure, 20 minutes, qui regroupent des vidéos, qui regroupent un document, un peu de synthèse, un peu d'évaluation. Alors, on a vraiment fait de la réingénierie extrêmement rapide là. Mais l'idée, c'était vraiment qu'on puisse apporter à nos clients, comme vous avez dit, une continuité de prestations. En fait.
Cette continuité de prestations n'a pas été très, très marquée sur la LMS parce que notre LMS, notre Learning Management System, en fait, intègre beaucoup plus des formations blended. Donc, c'était compliqué pour nous parce qu'on a des programmes tools, en fait. Donc, il fallait que, je dirais, on utilise plus notre site Internet comme vecteur, vecteur de formation, information, presque plus, d'ailleurs. Donc ça c'est fait, ces rapid learning, on les a mis en place à travers notre outil, un outil territorial hein, qui nous a permis donc de faire ça. Et puis pendant la période de confinement, mais pas tout à fait au début, c'est encore le cas à l'heure actuelle, on a travaillé sur l'expérimentation de formations statutaires obligatoires dans la fonction publique territoriale, que sont les formations d'intégration à la fonction publique. Parce que ces formations-là, pour nous, elles ont, c'est un peu notre tête de gondole, si j'ose dire, nous avons une obligation réglementaire, statutaire, de l'organiser pour que les nouveaux fonctionnaires qui ont réussi le concours et qui sont recrutés puissent être titularisés. Donc, on avait des contraintes de temps en matière de titularisation, puisqu'ils ont normalement un an pour réaliser cette formation à partir du moment où ils sont nommés dans une collectivité locale. Donc, afin de pouvoir donc remplir cette obligation, on a mis en place une expérimentation de tout à distance de ces formations d'intégration pour les agents de catégorie A et les agents de catégorie C. Et ça, ça a vraiment été pour nous un challenge parce que A, on va se dire, ce sont des cadres, ils sont habitués au numérique, ça ne pose pas trop de difficultés. Ça n'en a d'ailleurs effectivement pas vraiment posé sur le plan de l'adhésion au dispositif. Mais nos agents de catégorie C, où on a tendance à dire que ce sont des agents éloignés du numérique et en situation certains d'électronisme carrément, hein, eh bien en fait on s'est rendu compte que nous n'avions aucune remontée négative à ce sujet et qu'ils ont pu assez facilement, ou avec peut-être l'appui de leurs responsables, de hiérarchie, mais ça n'a vraiment pas été un problème de leur proposer l'équivalent de 5 jours présentiels, donc pour en fait ça a fait 10 demi-journées où ils ont été vraiment tout à distance dans cette formation d'intégration accompagnés par les formateurs. Donc ça c'est quelque chose qui est satisfaisant pour nous et qui nous dit que demain ces formations d'intégration nous allons continuer à les proposer à distance. Mais on va jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois proposer en présentiel et proposer à distance. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, précédent intervenant a parlé effectivement de ces nouvelles générations qui arrivent, et on le voit très nettement, hein, puisque dans ces formations d'intégration, ne même pas faire du numérique serait une erreur presque, hein. On serait un peu considéré comme une ancienne génération de centres de formation. Donc, on a une obligation d'être là et d'être performant. Ce qui me fait dire, dans le retour d'expérience qu'on peut en faire, que dans les points d'amélioration aujourd'hui, il y a vraiment cette qualité à la fois de l'ingénierie pédagogique que l'on met en place à distance et la qualité aussi des outils que l'on va proposer. Car dans les formations, je prends cet exemple parce qu'il est emblématique, ces formations d'intégration, on a voulu éviter, en tout cas au départ, de faire du présentiel à distance. Ce qui peut être une facilité, c'est-à-dire de se dire, on va remplacer du présentiel par du synchrone uniquement, quoi, de la classe virtuelle tout le temps. Or, c'est pas ça, le distanciel. De la formation à distance du e-learning, c'est à la fois la capacité à pouvoir donner des apports de connaissances à travers les ressources qui sont sur une plateforme. C'est la capacité aussi à pouvoir créer de l'interaction, de la dynamique du groupe. Et ça va être le travail du tuteur, on l'appelle comme on veut, hein, du formateur. Et c'est aussi un troisième point qui est très important dans l'ingénierie pédagogique à distance, c'est la capacité à faire produire en groupe des apprenants qui sont effectivement sur un dispositif distanciel. Donc, en fait, dans nos retours d'expérience aujourd'hui, la dimension de la capacité à construire des ingénieries pédagogiques adaptées, c'est vraiment pour nous aujourd'hui, je dirais, le cœur de la réussite pour demain.
et de faire comprendre effectivement que, alors ça veut dire avoir les outils pour, ça veut dire avoir les bons outils transversaux, ça veut dire avoir des outils collaboratifs vraiment performants et des interactions. Alors il se trouve que dans notre LMS, on n'a pas les tests virtuels intégrés. Donc voilà, c'est penser aussi l'outil. Et penser les outils, ça me paraît quelque chose de très, très, très important. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le retour d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu. Ce qui a extrêmement bien fonctionné, ce sont les MOOC. Ça, c'est vrai, on a une augmentation exponentielle de nos inscriptions et même des taux de complétude supérieurs, c'est un peu logique, aux situations classiques, puisque les gens avaient plus de temps, donc tout le temps en télétravail pour certains, voilà. Ils se sont beaucoup plus investis sur le MOOC. Donc, maintenant, fort de tout cela, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, ça veut dire qu'on a des orientations effectivement stratégiques que l'on est en train aujourd'hui de proposer. Le premier de ça, c'est de se dire, ben, si demain nous sommes reconfinés, que se passe-t-il? Donc, si demain nous sommes reconfinés, nous devons être en capacité de pouvoir continuer à avoir une offre de formation catalogue qui nous permet de programmer et de remplir les demandes de nos collectivités et les plans de formation qui continuent quand même à être produits. Donc, pour cela, aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes en train d'arbitrer pour créer un panel de stages tout distanciel dans à peu près tous les domaines que nous couvrons, avant tout sur avec un critère qui est souvent la quantité, la masse de stagiaires que nous pouvons aborder sur certaines thématiques, que ce soit dans les finances publiques, le marché public, la RH, beaucoup dans les fonctions support. Voilà. Donc, c'est notre idée, c'est ça, c'est avoir des stages, à peu près plus de 300 stages, qui vont être produits et mis en œuvre sur notre LMS en tout distanciel. C'est aussi, pour d'autres stages, avoir les deux, c'est-à-dire à la fois une offre présentielle et une offre distancielle. Voilà. Autre orientation sur laquelle nous réfléchissons, c'est le renforcement de l'accompagnement de nos formateurs. Je vous disais tout à l'heure, nos formateurs ne sont pas des salariés d'établissement. Souvent d'ailleurs, ce sont aussi des gens qui travaillent en collectivité, donc qui viennent là parce qu'ils ont une expertise professionnelle. Et on est vraiment dans la transmission de pair à pair, et ces gens-là n'ont pas forcément bénéficié d'un accompagnement, encore moins, d'un accompagnement à la formation à distance et à l'ingénierie pédagogique qui va avec. Donc là, nous avons mis en place un accompagnement spécifique pour qu'ils prennent en main à la fois les outils numériques, qu'ils approfondissent leurs compétences en matière d'accompagnement, de tutorat, ça c'est une dimension essentielle, et qu'ils travaillent aussi avec les ingénieurs pédagogiques de nos structures, enfin, chez nous nous les appelons les conseillers de formation, puisque ce qu'on peut aussi dire dans les leçons du confinement et de ce qui suit, c'est que les métiers et le travail des acteurs changent. Le travail des acteurs de la formation évolue vraiment beaucoup très vite, et que construire de la formation à distance, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail isolé, loin de là, et effectivement, c'est pas transcrire un scénario pédagogique classique présentiel à distance. Il y a un travail de réingénierie très lourd à mener, qui a induit au moins un duo qui est l'ingénieur pédagogique de formation et le formateur qui va être en première ligne aussi dans la mise en œuvre, et puis voir bien sûr d'autres métiers, parce que s'il faut créer et produire de la ressource, il faut aussi des métiers autour des web designers, des producteurs de ressources multimédia, voilà. Donc tout ça fait que le mieux d'ailleurs, et je crois que ça aussi c'est une leçon à tirer de ce que nous venons de voir, c'est la clé de réussite, c'est de créer des équipes projets autour des dispositifs de formation, et cela très en amont.
très en amont, parce que sinon, après, on a vécu aussi depuis 3 ans, hein, on perd du temps, on revient sur le travail parce qu'il n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, voilà, ça, je pense que ça, c'est vraiment une leçon à en tirer. Autre élément stratégique sur lequel on est en train de réfléchir aujourd'hui, c'est d'accompagner, parce que nous préparons les gens au concours de la fonction publique. Pour cela, nous avons mis en place des tests. Donc aujourd'hui, ces tests de positionnement pour leur permettre d'accéder à la préparation au concours sont proposés en ligne. Mais au-delà de ça, la notion de test de positionnement, d'auto-positionnement, d'orientation formative de nos apprenants, ça nous questionne aussi sur la capacité à avoir des dispositifs d'adaptive learning, c'est-à-dire des dispositifs beaucoup plus personnalisés et individualisés. Puisque faire de la formation à distance, c'est vrai, je dirais que le degré 1, c'est une formation qui est quand même construite pour tout le monde, de façon pour un groupe d'apprenants. Mais si on travaille sur un degré 2, on peut faire rentrer là des outils comme l'intelligence artificielle qui vont nous permettre là d'avoir une approche beaucoup plus fine de l'orientation du stagiaire sur un parcours qui est complètement adapté et qui nous permet là d'être vraiment aussi dans des compétences beaucoup plus marquées. Alors ça veut dire là un investissement assez conséquent, hein. L'adaptive learning, c'est quelque chose qui nécessite des moyens, hein, qu'on commence à proposer, notamment pour les stagiaires qui rentrent dans des dispositifs de préparation au concours. Ce que nous avons également donc proposé dans la mise en œuvre, c'est d'accompagner les collectivités sur leurs propres évolutions organisationnelles. Et là, elles sont aujourd'hui très demandeuses que l'on puisse leur offrir des stages autour du management à distance, autour de la gestion de crise, autour du télétravail, bien entendu. Donc ça va vraiment faire partie des sujets dominants. Et autre élément également, on poursuit nos démarches de MOOC, puisque c'est un produit qui fonctionne bien, qui répond aussi à pas mal d'attentes, avec l'ouverture de MOOC plus corporate, c'est-à-dire des MOOC qu'on va ouvrir uniquement aux collectivités. Ce qui va nous permettre aussi de générer des attestations de participation ciblées pour nos fonctionnaires territoriaux et rentrer plus justement dans les plans de formation individualisés des agents. Donc, pas mal de, je dirais, là, les chantiers sont du coup importants et on va les mettre en place dès maintenant, puisqu'il y a notamment les stages distanciels. Notre objectif, c'est s'il y a une situation numéro 2 qui arrive en confinement, de pouvoir être vraiment plus présent, puisqu'on a quand même notre activité pendant la période. S'élever à 6% de notre activité normale sur les galères d'identité. Merci, Madame Hay. Ce qui est bien, c'est que même pour la catégorie qu'on croyait réticente à la digitalisation, avec un accompagnement et une ingénierie pédagogique, on arrive quand même à les toucher et ils sont preneurs. C'est ça ce qui est formidable avec la digitalisation. Peut-être c'était la crise qui a changé notre culture. Et l'exemple de votre expérience le souligne parfaitement, puisque vous avez touché même les catégories C, c'est ça, de votre personnel. Donc, je vous remercie, Madame Hay. Je vais m'adresser maintenant à Madame Roussel de l'Institut de gestion publique et du développement économique et pour voir son expérience, peut-être comme ils ont comme client, c'est le personnel de l'État, c'est ça, en France. Donc, Madame Roussel, comment vous avez organisé votre intervention en matière de conduite de cette crise et quelles sont vos perspectives? Surtout avec les contraintes budgétaires et logistiques. Quelles sont les nouvelles compétences techniques et pédagogiques des équipes et puis quel accompagnement? Bien sûr, beaucoup de questions. Je vous donne la parole.
Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon. Alors, d'abord, je vous explique un petit peu ce qu'est l'Institut de la gestion publique et du développement économique. Donc, contrairement au CNFPT, donc Madame E, qui a un très large public, nous avons un public un peu plus restreint puisqu'on s'adresse aux agents d'administration centrale. En priorité donc aux agents des ministères économiques et financiers, mais pas seulement, parce que on a une offre qui s'adresse en fait en général sur tous les métiers en fait liés à la finance et à la gestion publique, à tous les ministères, mais bien sûr en administration centrale. Donc pour vous donner une idée, en administration centrale à Bercy, donc au ministère des Finances, on a 6000 agents et on diffuse bien sûr dans les autres ministères, et donc là, on ne compte pas en fait le nombre d'agents qu'on peut atteindre. Ce que je peux vous dire, c'est que notre institut compte environ 160 personnes, et que chaque année, on a chez nous donc 25 000 stagiaires plus 13 700 préparants au concours. Donc on a en fait deux pôles. On a la préparation au concours ministériel et interministériel. On prépare à 32 concours en tout de la fonction publique française. Et on a donc 25 000 stagiaires qui viennent chez nous pour des formations, de la formation continue. Donc d'un côté, préparation au concours, de l'autre côté, formation continue. Ce sont deux pôles qui sont assez différents parce que en matière de préparation au concours, on a un personnel qui est plutôt captif. C'est-à-dire qu'ils veulent réussir, avoir une promotion et du coup, je dirais, quel que soit le support, ils absorbent la matière, alors que en formation continue, il faut faire beaucoup plus attention au support que l'on a parce que les gens sont… ils décrochent. Si vous avez une formation qui n'est pas attractive, ils décrochent. Ils décrochent que ce soit en fait en présentiel ou en ligne. On a un catalogue donc, de formation, on a… un autre catalogue, on a 17 thématiques, donc le numérique, la gestion publique, les RH, etc. Je vous en passe, bien sûr. Et on a en fait un autre catalogue, 560 stages qui sont proposés, plus 16 cursus professionnalisants. C'est-à-dire qu'on a par exemple un cursus achat public qui permet à quelqu'un qui n'est pas acheteur de, au bout du cursus, devenir acheteur. Ou quelqu'un qui n'est pas en fait professionnel de la RH, de devenir par exemple conseiller mobilité carrière au bout d'un cursus. Donc tout ça en fait c'était en majorité en présentiel. Même si donc on a une plateforme de e-formation, sur cette plateforme de e-formation on a dématérialisé pratiquement toutes nos formations au concours. On a bien sûr du présentiel pour des stages, on a du présentiel pour des cycles, donc cycle informatique, pour les qualifications informatiques, donc assistant utilisateur, programmeur, etc. Et bien sûr, on a le cycle ENA, qui est donc l'École nationale d'administration, qui est réservée donc aux internes qui ont réussi un pré-concours. Et donc, on a 75 à 100 élèves qui sont à l'Institut de la gestion publique et du développement économique pendant pratiquement un an. Avec la crise et avec le Covid, on a dû réagir très très vite. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a repéré tous les stages qui étaient en ligne et tous les modules de e-formation qu'on pouvait mettre en fait gratuitement et sans mode d'inscription à disposition de tous les stagiaires en ministériel et même en interministériel. C'est-à-dire qu'en interministériel, on a mis tous nos modules qui étaient notre propriété. Donc, on a par exemple le passeport numérique, on a quelque chose sur le dialogue social, etc., etc. Donc, on a mis tout ce qu'on pouvait en fait sur la plateforme sans inscription. Et on a aussi ouvert tous nos modules qui sont pour nous payants. Donc, on a acheté exprès des licences de formation bureautique. Donc, les gens pouvaient se former à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc., en fait, gratuitement sur notre plateforme. Bien sûr, pour les cycles qui étaient en présentiel, eh bien, tout de suite, les professeurs, les intervenants se sont organisés pour continuer à donner leurs cours. Donc, soit c'était la classe virtuelle, on a une classe virtuelle sur notre plateforme d'e-formation, soit c'était… un autre moyen qui n'est pas forcément autorisé par les ministères économiques et financiers. Et là, je rejoins Madame E sur le problème des outils et des supports, parce que il y a des classes qui se sont faites par Zoom, alors que ce n'est pas autorisé en fait au ministère des Finances. Mais en fait, dans l'urgence, on les a acceptées. Il y
Il y a donc les gens se sont organisés. On a eu très très peu d'intervenants qui ont refusé. On a eu peut-être un seul prof en fait sur le cycle ENA qui a refusé de faire ses cours en ligne. Et sinon, en fait, on avait deux modes de fonctionnement. Soit le prof faisait son cours directement en ligne, donc au créneau qui était les siens pendant en dehors de la pandémie, soit il enregistrait son cours et le postait sur notre plateforme d'information. Et les gens, donc chaque stagiaire pouvait aller chercher le cours et l'écouter en fait à distance et poser des questions en fait ensuite au prof par mail. Donc ça, c'était le dispositif qu'on a fait donc, pour tout ce qui est préparation au concours. Donc il y a eu donc le dispositif mise à disposition des modules gratuitement. Et là, on a eu énormément de gens qui se sont formés. On a eu 2500 à 3000 inscriptions sur nos modules d'information. Ce qui nécessitait bien sûr de racheter, de se mettre en relation avec nos prestataires. Nos prestataires ont été très réactifs. Donc ça, il faut que je vous fasse un petit point sur la façon dont on fonctionne à l'IGPDE. On fonctionne en fait d'un côté avec des intervenants experts des ministères économiques et financiers ou d'autres ministères qui viennent chez nous faire de la logistique, des cours sur Europe internationale, qui viennent faire des cours sur les achats, etc. Et on a en fait des prestataires externes. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, bureautique, numérique, informatique, on a des prestataires externes qui se sont trouvés, en fait, très démunis au moment où le Covid est arrivé. Parce que eux, ce sont souvent des petites entreprises, ils n'ont pas les moyens ils n'avaient plus les moyens de donner des cours. Donc, pour eux, c'était très important qu'on accepte de faire les cours à distance. Et donc, avec tous ces prestataires, on a revu les déroulés pédagogiques et on a monté des classes virtuelles. Classe virtuelle, soit avec la plateforme du prestataire, qui quelquefois a été autorisée par notre administration. Donc, on a fait des classes virtuelles avec Teams, avec Webex, etc. En fait, hein, toutes les grosses entreprises type Cisco, etc. Et on a donc réussi à monter des classes virtuelles. L'apport, en fait, le retour qu'on a eu, donc les gens étaient très contents parce qu'on a pu maintenir des sessions. Les sessions qui avaient été programmées, soit ben, on a pu les faire en temps et en heure, soit on les a reprogrammées. Les gens étaient à la maison et ils étaient très contents, en fait, de pouvoir se former quand même. On a même eu, en fait, des gens qui n'étaient pas inscrits aux formations et qui se sont inscrits quand même, qui se sont inscrits à des formations qui existaient. Donc ça nous a permis en fait de maintenir un certain volant de formation et de maintenir aussi nos prestataires à flot, parce que on veut pas non plus que nos prestataires partent en faillite. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Sur tout ce qui est cours, par exemple cours de langue, tout s'est organisé très très vite. Il y avait les gens bien sûr qui avaient le matériel à la maison, et là il y a une discrimination entre les gens qui avaient le matériel de télétravail et les gens qui n'avaient pas le matériel de télétravail. Et donc là, on a équipé, pendant la pandémie, on a continué à équiper les gens. Donc, on a une structure qui est quand même très, 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 très efficace et très résiliente, qui a fourni des ordinateurs portables et qui a en fait donné des rendez-vous aux agents. Les agents revenaient exprès à notre institut. Ou même, quelquefois, en fait, dans certaines structures de l'administration française, les matériels ont été livrés aux agents pour qu'ils puissent en fait télétravailler et aussi, bien sûr, profiter des formations. Pour les agents les plus démunis, c'était les agents qui n'avaient ni le matériel de télétravail, ni un matériel personnel. Parce que quelquefois, on a fait les formations avec le matériel personnel. On a été obligés. La connexion passe mal. Et à ce moment-là, ben, si on est derrière un matériel professionnel qui ne peut pas en fait recevoir la plateforme, qui ne peut pas se connecter sur la plateforme du prestataire, et bien à ce moment-là, on passe sur le matériel personnel. Donc tout ce que nous a appris en fait le Covid, c'est donc il nous faut les outils appropriés. Et là maintenant, on est en train de tester très rapidement des outils qui sont compatibles avec les proxys. Des ministères économiques et financiers, des outils donc sécurisés. On est en train de rechercher et de tester différents outils, et on va acheter maintenant des licences pour pouvoir en fait mettre en œuvre nos classes virtuelles nous-mêmes. Donc on aurait en fait deux types de produits. D'abord la classe virtuelle. Donc pendant la pandémie, on a boosté notre classe virtuelle qui était trop faible. On avait besoin de beaucoup plus de flux. Et donc, on a boosté le flux
Et du coup, en fait, ça n'a pas été possible tout de suite, mais pratiquement après un mois de pandémie, on a eu en fait une classe virtuelle qui était fiable. Et en plus, maintenant, on va mettre en œuvre une classe virtuelle à côté, c'est-à-dire un backup pour nous. C'est-à-dire, la classe virtuelle est surchargée. On peut en fait faire avec un prestataire extérieur. On a les licences, on est sécurisé et on peut en fait continuer notre activité de formation. Donc, priorité aux outils. Deuxième chose, donc, comme le disait aussi Madame E, l'important, c'est de refaire les formats. C'est-à-dire qu'une journée de formation en présentiel, ça n'est pas une journée de formation en distanciel. Et donc là, on s'est rendu compte que les formations étaient quelquefois plus courtes. On n'a pas le tourne-table, on n'a pas les pauses, on n'a pas la pause déjeuner, etc. Au lieu de terminer à 16h30, on termine à 14h. On revoit le format. Il faut plus d'exercices, il faut plus de questionnaires. Il faut que les gens puissent en fait chatter en ligne. Il faut que les gens puissent répondre à des questions en ligne, etc., etc. Et donc, tout ça, on le met en place maintenant et on espère, en fait, pouvoir garder ce format. On s'est rendu compte aussi que les gens étaient très contents d'avoir ce format à distance. Et maintenant, on propose, par exemple, des cours de langue en distanciel et en présentiel. Et dès que, et si on avait, en fait, une deuxième vague de Covid, eh bien, on repartirait en distanciel, mais avec les bons outils. Donc ça, c'est essentiellement l'apport, en fait, les constatations qu'on a faites avec le Covid. On a en fait, bien sûr, de bonnes retombées en fait, sur l'image de l'Institut, parce qu'on a réussi à se mettre en ordre de marche assez rapidement. Les gens étaient contents, on a des très bonnes évaluations, même si au point de vue technique, on n'était pas tout à fait au point, les gens ont souligné l'effort qui a été fait pour maintenir les formations, pour animer des formations pendant une période relativement vide et pour maintenir en fait le lien en quelque sorte. Bien sûr, en fait, c'était un cas particulier d'organisation, je dirais que je qualifierais un peu de chaotique puisque tout n'a pas fonctionné. Mais maintenant, en fait, on nous attend sur le contenu de la formation révisé et sur les outils. Donc, on a renouvelé notre offre à la suite du Covid. Donc, nous, on prépare normalement notre catalogue de formation 2021 dès vous le mois avez, de vous avez une minute. Et donc, on a maintenant, en fait, une offre qui est différente. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut plus de modules d'information, comme le disait Madame E. Plus de modules d'information, on fait bien sûr des modules courts. Et on doit en fait faire en sorte d'enregistrer, hein, on va enregistrer une partie de nos formations pour pouvoir les mettre sur notre plateforme et que les gens qui n'ont pas pu participer à la formation puissent en fait revisionner la formation. Voilà, c'est en gros ce que je voulais vous dire. C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de se former. On espère que ça va fonctionner et qu'on aura surtout des intervenants qui seront suffisamment réactifs et qui seront prêts en fait à venir avec nous vers cette nouvelle forme de formation. Oui, merci Madame Roussel pour toutes ces précisions. Je crois qu'on était tous pris au dépourvu à cause de cette crise. Et alors, quand vous sollicitez bien sûr les prestataires, on aimerait bien les écouter. De toute façon, il faut qu'on travaille ensemble pour réussir. On ne peut pas le faire tout seul, bien sûr, il faut qu'on le fasse ensemble. Et chaque intervenant dans l'écosystème de formation doit jouer son rôle. Et c'est pour ça que je vais m'adresser à M. Lotmani. M. Lotmani, merci d'être là. Donc, Sérismani, quelles étaient les opportunités, les difficultés rencontrées dans le secteur de formation et la crise sanitaire n'a pas inhibé la créativité et l'exploration des performances technologiques pour entrer dans la révolution du digital learning. Donc, jusque-là, le digital learning était peu convoité par rapport aux formations en présentiel. Sauf s'il y a une motivation, comme l'a dit Madame Roussel. Mais concrètement, quel réalignement de l'écosystème pour des attentes totalement transformées? Merci Madame pour votre invitation et bonjour chers collègues. Je vais plutôt me concentrer sur
sur la partie opérateur de formation. Parce que bon, voilà, je vois que l'écosystème, vous avez très bien fait au niveau de, je dirais, de votre ingénierie pour le montage de cette table ronde. Vous avez réuni d'un côté des opérateurs de formation initiale et continue, des prestataires de formation essentiellement dans la formation continue en tant que cabinet, et naturellement deux gros opérateurs de formation dans le domaine de la finance et des collectivités locales. Donc, nous avons tout l'écosystème qui est présent ici. Hein. Alors, nous nous appelons LMS, cabinet créé en 1980. Et vous savez très bien qu'en 1980, il y a à peu près maintenant 40 ans, on était très loin d'imaginer qu'un jour existerait quelque chose qui s'appellerait LMS, qui est le Learning Management System. Hein. Là, c'est... Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre sur Google pour chercher LMS, ben, on ne s'y retrouve jamais parce qu'on est noyé par le Learning Management, Management System. Hein. Alors, nous sommes un opérateur de formation continue. Nous travaillons avec les grandes entreprises, avec les administrations. Je risque de répéter grande partie ce qu'a dit mon cher confrère, tout à l'heure, avec qui je partage, l'essentiel, effectivement, de ce point de vue et de ce que nous avons vécu ensemble dans ce domaine. Alors, nous, notre vocation, c'est de prendre en charge une partie du plan de formation d'une entreprise et de réaliser en intégralité. Donc, nous avons aujourd'hui des clients qui nous sous-traitent, qui nous ont sous-traité la totalité de leur plan de formation. Donc, nous nous occupons de toute la partie et logistique et pédagogique et évaluation, et ça lui permet effectivement de s'occuper effectivement et de nous prendre en charge que la partie pilotage et évaluation. 80% de nos interventions sont dans les soft skills, 20% sont un peu éparpillés dans différents domaines. Bon an, mal an, nous tournons autour entre 4000 et 5000 jours de formation. Alors, vous qui êtes tous des professionnels de la formation, vous comprenez que réaliser 4 à 5 000 jours de formation dans une année où il faut naturellement éviter les périodes de congé parce que les entreprises sont en sous-effectif, donc on ne forme pas. Dans un pays où il est très difficile de former pendant le mois de Ramadan, donc nous avons en plus de la période des congés, nous avons les 30 jours du mois de Ramadan. Auquel il faudrait ajouter 54 dimanches, on ne forme pas, et 54 samedis. Et il faut ajouter les lundis parce que très peu d'entreprises ou d'administrations sont enclines à organiser des sessions de formation pendant la journée de lundi. Et pour certaines, même le vendredi, parce qu'il y a la prière, effectivement, du vendredi. Donc, ce qui fait que même si on dispose, effectivement, de 365 jours de formation sur l'année calendaire, en réalité, nous avons un temps utile qui tourne entre 120 jours et 150 jours. Et nous avons 5000 jours de formation à organiser. Le meilleur moyen, le chemin le plus court pour faire faillite dans ce secteur au Maroc, c'était de se spécialiser dans le distanciel ou dans le e-learning. Tout simplement parce qu'il n'y avait quasiment pas de demande dans ce domaine. Donc, les 4 à 5 000 jours de formation, on les organisait, je vois Serge là où il sourit, les 4 à 5 000 journées de formation que nous réalisons, il fallait la réaliser sur 120 à 150 jours par an, et en présentiel, en totalité en présentiel. Du jour au lendemain, donc, tout a été annulé et tout s'est arrêté. Alors, je ne vous cache pas qu'on avait une équipe de back-office, gère la logistique, une équipe de front office, une équipe d'ingénierie, une grosse équipe de formateurs. Parce que, un formateur en moyenne chez nous réalise à peu près, on pourrait être à l'aise, entre 80 et 100 jours de formation. Donc, pas plus. Hein. Au-delà, ça devient véritablement très compliqué. Donc, on s'est retrouvé avec tout ce monde-là autour de la table. Ça, c'est pour, réfléchir. Pas notre devenir, hein, mais déjà sur le présent en soi. Nous avons déjà commencé par annuler une première journée
qui était organisé avec le ministère des Finances, et d'ailleurs c'était une bonne idée de l'avoir annulé, c'était le 8 mars, où, avec la DAG, il y avait la participation de LMS dans une réflexion sur la journée de la femme. Et d'ailleurs, bon, le 8 mars, c'était pas encore le premier cas au Maroc, je crois qu'on était dans cette zone. Hein. Et ben, heureusement d'ailleurs, parce que tout de suite après, bon, voilà, nous avons vécu ce que nous avons passé. Alors, dans ce schéma, nous avons réussi, avec l'expérience nous avons réussi à l'industrialiser. Et nous l'avons rodé. Et on était, je dirais, dans notre zone de confort. Nous sommes dans un écosystème maîtrisé, avec des clients qui nous font confiance, avec des formateurs qui nous sont fidèles, avec une équipe qui est, je dirais, totalement professionnelle dans son schéma. On était dans notre zone de confort à 100%. Les équipes de formateurs, et je rappelle une autre chose que Serge Laoué a souligné tout à l'heure, je crois que le plus conservateur de tous les métiers qui doivent exister, c'est bien le formateur. Et nous le voyons, enfin, voilà, je jette la pierre à autre personne, mais nous pouvons voir des enseignants, des profs qui ont des programmes, je dirais, qui remontent à 15 ans, 20 ans, et ça ne les dérange pas. Moi-même, quand j'étais étudiant, on avait un prof d'économie politique dont les statistiques de ses cours s'arrêtaient en 1955. Donc, après 1955, il n'y avait pas... Alors, j'étais à l'université à la fin des années 70. Hein. Donc, on savait très bien que ces statistiques s'arrêtaient en 1955. Il n'y avait rien après 1955. Donc, donc il a fallu changer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on s'est rendu compte que c'est tout le business model qu'il y a eu, effectivement, de revoir et de changer totalement. Donc, une profonde transformation. Revenir au présentiel ne sera pas pour si tôt. Et cette crise ne va pas s'en laisser de traces. Et heureusement d'ailleurs, parce que, bon, voilà, depuis des années, on était effectivement dans une démarche d'avoir une plateforme, de digitaliser, de prendre ce tournant, etc. Et la crise nous a permis d'aller effectivement très vite et de découvrir effectivement au sein de nos équipes beaucoup d'agilité. Et ça a été le cas de pas mal de confrères. Alors, premier volet, c'est la production de la formation sur mesure. Donc, et on a créé un écosystème autour de nous, avec des sous-traitants, avec un studio, avec des caméramans, etc. Et nous nous sommes lancés dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, nous avons réussi à avoir un écosystème géré au sein de notre équipe, aux mesures de pouvoir faire cette production. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette production, c'est un travail de professionnel, et c'est un travail très lourd, et c'est un travail très complexe. Et on ne s'improvise pas du jour au lendemain, effectivement, producteur de contenu. Parce qu'il y a, en plus de la pédagogie, il y a de la scénarisation, il y a les jeux de rôle qu'il faut monter, il y a de l'écriture, il y a des tests, il y a des quiz, etc. Donc c'est un travail complexe. Donc, aujourd'hui, nous avons entrepris, donc avec des startups, je dirais que nous avons aligné à notre dispositif de formation, et nous avons déjà, lancé nos premières productions. Mais là où il fallait aller vite, parce que sur ce plan-là, vous imaginez bien que remplacer 5000 jours de formation avec quelques capsules produites, eh bien, ça serait comme, véritablement, un coup de bâton dans un océan, il n'aurait pas d'impact. Mais là où je crois où on a fait preuve effectivement d'inventivité, c'est cette rapidité où nous avons contacté pendant cette période pratiquement l'ensemble des éditeurs mondiaux. Donc pour voir avec eux quelle est leur offre, quel est leur contenu. Et qu'est-ce qu'ils peuvent effectivement mettre à notre disposition? Alors, à la date d'aujourd'hui, nous avons signé en exclusivité 34 conventions avec des éditeurs mondiaux, parmi lesquels ben, on va trouver, enfin, nous avons les plus grands éditeurs, et nous avons aujourd'hui 15 000 contenus de formation dans 5 grands domaines. Donc, c'est dans tout ce qui est compétences techniques, dans tout ce qui est leadership,
dans tout ce qui est télétravail. Nous avons un univers de formation qui porte sur le télétravail, dans tout ce qui est conformité moderne, voilà, enfin c'est, et naturellement dans la bureautique et dans les langues. Nous avons été honorés la semaine dernière d'avoir fait une démonstration de notre plateforme à l'équipe de la formation de l'Institut à la DAG. Et aujourd'hui, nous sommes en train de conclure un certain nombre d'accords avec nos clients à qui nous avons un conseil très simple. C'est que aujourd'hui, d'abord, au lieu d'investir dans une plateforme, ça prend du temps. Et il faut de la synchronisation avec le SIRH, il faut un travail de paramétrage, etc. Et bien, nous vous offrons déjà notre plateforme. Nous avons aujourd'hui une plateforme que nous avons, c'est avec la technologie Cornerstone, que nous mettons à la disposition de nos clients. Donc, le client qui n'a pas à commencer par une plateforme, ça prendra du temps. Et entre-temps, les gens sont en train d'attendre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et bien, vous voulez créer votre contenu. Et bien, dites-vous bien que si on démarre maintenant, au mois de juillet, eh bien, d'ici fin décembre, vous allez vous retrouver avec 5 capsules de 3 minutes chacune, avec les validations, avec les contenus, avec les va-et-vient, avec les trucs, etc., etc. Et entre-temps, toute la machine est à l'arrêt. Avec nous, aujourd'hui, eh bien, il y a cette possibilité de vous connecter du jour au lendemain, en 24 heures, sans paramétrage, avec la possibilité d'avoir des playlists qui sont déjà élaborées, avec des contenus qui sont finis dans différents domaines. Et où vous avez la main aujourd'hui pour pouvoir affecter des contenus de formation sur, j'ai dit, pratiquement 15 000 contenus dans différents domaines. Et dès lundi, ben on est jeudi, et ben dès lundi, vous allez avoir vos équipes qui sont connectées, qui vont avoir accès à des contenus, à des parcours dans différents domaines, avec une traçabilité, avec un élément de suivi et avec un système de relance. Donc, ce que peut-être certains ont réussi à faire, mais après plusieurs décennies, quand je pense à la RATP, quand je pense à Air France, quand je parle au Maroc, c'est encore au tout début. Eh bien, nous avons, grâce à l'agilité également de nos acteurs, de nos partenaires, qui veulent effectivement saisir cette opportunité, parce qu'on est dans un tournant, de pouvoir mettre à la disposition effectivement de nos clients, eh bien, ces 15 000 contenus dans différents domaines, avec des parcours qui sont appropriés, qui sont spécifiques. Et comme nous avons découvert chez nous un nouveau métier, alors, généralement, les éditeurs proposent 250, 350, 400 parcours, etc. Donc, on a tout de suite fait le tour. Aujourd'hui, comme on a réussi à réunir autour de nous la totalité de l'ensemble des éditeurs mondiaux, eh bien, on s'est retrouvé face à une offre diversifiée, énorme et très riche en contenu. Nous proposons aujourd'hui à nos clients une ingénierie de formation sur étagère. Nous connaissons effectivement nos contenus et nous pouvons tout de suite voir au niveau de vos équipes, par rapport au profil, par rapport au poste que vous avez, par rapport à la demande à travers un questionnaire rapide, etc. Donc, de construire pour vous un plan de formation sur étagère et qui est affecté tout de suite et vous êtes opérationnel au niveau de votre dispositif dès le lendemain. Et je vous remercie. Monsieur Othmani, pour dire que l'offre sur le marché est assez diversifiée et donc le fait d'arrêter la formation en présentiel ne signifie pas bien sûr d'arrêter le renforcement des capacités de plusieurs manières. Donc, je vais donner la parole à M. Mihamou. Nous avons déjà reçu plusieurs questions et donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler dans la phase. Oui, M. Othmani. Oui, je voudrais juste rebondir sur un point, j'en ai deux phrases. Alors, avec nos formateurs aujourd'hui, nous sommes en train de créer une offre blended où nos formateurs s'inspirent effectivement de la richesse du contenu de notre plateforme. Alors, ils puisent. Bien sûr, c'est la formule blended est la formule la plus adaptée peut-être. Ils puisent des capsules et qu'ils enrichissent avec leur propre contenu. Et c'est une opération qui est aujourd'hui en cours. Donc, il y a cette offre effectivement en blended et il y a naturellement l'offre sur étagère
une des offres les plus riches qui existent à la date d'aujourd'hui. Merci, Sir Othmani. Merci. J'aimerais bien interpeller M. Mouhamou pour voir du côté formateur. Les formateurs n'ont pas vécu cette période de la même manière pour plusieurs raisons, générationnelles, comme l'a dit générationnelle, ou culturelles, puisque pour certains, la formation est basée sur l'interactivité didactique entre le formateur et le formé. Donc, si Mouhamou, est-ce que c'était le cas? Et comme l'a dit M. Othmani, les supports technologiques sont diversifiés et disponibles à des coûts assez raisonnables. Donc, le défi pour les concepteurs, c'est de garantir cette attractivité, la pertinence et l'interactivité humanisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment définir une ingénierie de formation, une ingénierie pédagogique adaptée à ce contexte? Et voilà, comment assurer l'interactivité? Quel est votre regard sur la question? Monsieur Mouhamou? Merci, Madame Sonia. Moi, si vous me permettez, je vais un tout petit peu tanguer entre deux entités que je pilote, parce qu'une, il opère dans les technologies de l'information et de la communication, qui était la première installée au Technopark, et la seconde, il opère dans la formation continue, pure et dure, et ça depuis une vingtaine d'années. Donc, nous avons eu le privilège d'être les seuls Marocains à avoir développé et accompagné le ministère de l'Éducation nationale en matière de développement de contenu numérique et de contenu numérique adapté à tous les niveaux. Et c'était au niveau du programme Génie, je pense, que vous en avez déjà entendu parler. Effectivement, bon, la compétence de notre groupe, notamment Eclipse.com, qui était dans la conception et la mise en place de plateformes e-learning et More de ceux qui étaient dans tout ce qui est andragogique et pédagogique, a fait en sorte qu'on a été les premiers à prêcher le e-learning. Et je me souviens, lors d'un certain nombre de séminaires, quand je le faisais dans des universités, les enseignants universitaires, ils me tournaient le dos comme quoi leur capital, c'est leur courbe. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance aux plateformes pour qu'ils puissent y mettre le contenu, parce qu'ils considèrent que ce qu'ils ont produit, c'est quelque chose qu'ils partagent, mais ils la partagent de leur manière. Bon, c'est des choses qui sont révolues, mais seulement cette pandémie, elle est venue à point nommé, et c'est une aubaine, comme ça a été dit par Simliani, et ça a été repris par Serge Laoui. Et ça nous a permis d'accélérer le processus et de l'humaniser aussi. Parce que je me souviens, durant les 20 ans, on a eu l'occasion de participer à des marchés de formation sur le module conduite de changement ou comment faire face à la résistance au changement. Aujourd'hui, il y a eu un virus qui a remplacé tous les formateurs en matière de conduite et d'accompagnement de changement, parce que tout le monde a mis la main à la pâte et tout le monde s'est converti pour le digital. Et ça, j'ai partagé avec vous les deux articles que j'ai publiés dans des journaux marocains et canadiens qui parlaient de l'humanisation du digital, qui a été fait volontairement par besoin par un certain nombre de personnes, et notamment les formateurs, parce que là, je m'adresse beaucoup plus aux formateurs qui étaient résistants à l'intégration de leur contenu au niveau des plateformes, parce qu'aujourd'hui, ils se sont trouvés obligés de mettre ce contenu sur une plateforme, et ça va de ça veut dire qu'ils sont jugés sur la qualité de leur contenu, parce que ça devient un contenu qui est ouvert sur un certain nombre de personnes. Donc, s'il est bon, il est consulté plusieurs fois. S'il est moins bon, il est amené, le formateur, il est amené à faire une mise à jour en temps réel. Mais j'aimerais bien partager avec vous aussi une expérience qu'on a vécue en 2008 au Maroc. Bon, il y a eu même un documentaire qui a été fait par la SNRT sur notre expérience avec les eaux et forêts, et ça a été sur des modules sur étagère en matière de formation en informatique, et notamment les bases de données, où on a donné une formation à tous les responsables situés au niveau de toutes les régions du Maroc, sans qu'ils se déplacent vers le centre pour qu'ils puissent suivre ces formations. Et je vous assure que ça a été une réussite. On a fait des statistiques après évaluation. On était à 85% de réussite. Immédiatement après, on a approché la MAP pour faire la même opération. Et ça a été fait pour
les agences qui représentent la MAP à travers le monde en matière de bureautique, là aussi, avec des modules que nous avions sur étagère, ça a donné des résultats probants. Donc aujourd'hui, si j'ai à parler en matière, parce qu'en parallèle du pilotage des deux entités, une dans l'informatique et l'autre dans la formation, je suis aussi formateur, donc je descends au terrain. Donc, c'est aussi un avantage parce qu'on est proche du besoin du bénéficiaire. Et ça, c'est très important. Et les éminents intervenants qui étaient avant moi ont parlé de l'agilité. C'est ça l'agilité. L'agilité, c'est de changer en temps réel le contenu pour l'adapter à la cible. Aujourd'hui, cette agilité doit se faire, mais il doit se faire via le digital. Ça veut dire que je dois scénariser le formateur. Il a un autre métier qui se trace, qui se profile, qui est dans l'horizon, c'est qu'il devient scénariste, producteur et en même temps fournisseur de contenu parce que c'est lui qui détient le secret d'un module quelconque. Donc, le métier de formateur aujourd'hui, c'est complètement métamorphosé parce que un formateur qui n'a pas pris en considération que mettre des technologies de l'information dans sa formation, sachant pertinemment que le digital, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a utilisé le digital, ça fait des années. Le fait de passer en PowerPoint, c'est du digital. Et de projeter des vidéos autour d'une thématique, c'est aussi un peu du digital ou de l'audio visuel. Mais aujourd'hui, il s'agit de scénariser du spécifique pour chaque métier, pour chaque profil, avec la possibilité justement d'assurer une certaine traçabilité. C'est la raison pour laquelle le e-learning ou le blended learning, parce que tout le monde est d'accord que le e-learning à 100% n'a pas marché. Aujourd'hui, la loi de 20-80, la loi de Pareto, qui est un mix entre le présentiel et le distanciel. Mieux que ça, ce blended learning doit être aussi mixé par l'asynchrone et le synchrone. Donc l'asynchrone, ça veut dire qu'on peut accéder à un contenu à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et n'importe où. Et le synchrone, c'est les classes virtuelles, c'est ce qui se fait aujourd'hui parce qu'il y a quelque temps pour pouvoir bénéficier d'une classe virtuelle telle que c'est offert aujourd'hui avec ces outils sans citer leur nom, c'était excessivement cher et ça n'a jamais été à la portée des organismes qui veulent organiser des formations à distance. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un certain nombre et des plateformes open source qui ne coûtent pas grand-chose et aussi des outils qui permettent ou qui facilitent l'accès vers les bénéficiaires pour pouvoir leur véhiculer une formation. Donc, le travail qui doit se faire aujourd'hui, c'est un travail qui est triple. Il est triple où les organismes donneurs d'ordre doivent être conscients qu'on doit obligatoirement passer vers le digital à distance et en présentiel, donc créer ce mix. Les formateurs anciennes écoles ou qui n'ont pas cru aux plateformes e-learning, ils doivent s'y mettre. Ça veut dire qu'ils doivent adapter parce qu'il ne s'agit pas du même contenu. Le contenu qui se fait en présentiel, ce n'est pas un, et c'est qui a un tout petit peu fait foirer l'enseignement aujourd'hui, parce que c'est vrai, les enseignants, ils maîtrisent leur matière, ils prennent des PowerPoint, ils les mettent sur une plateforme, ce n'est pas ça le e-learning a des règles, a une manière de faire qui respecte un certain nombre de normes, donc il faut prendre le temps, et comme ça a été cité avec Serge Laoui, il y a des organismes qui nous ont devancés dans tout ça et qui ont des modules tout faits avec des serious games. Reste l'adaptation à la réalité marocaine. C'est là où Eclis.com, justement, apporte un tout petit peu sa valeur ajoutée en essayant de développer des modules dans ce sens, sachant qu'on a développé aussi pour des sociétés à l'étranger en matière de modules serious games. Voilà, donc la conversion ou l'appel à la conversion, elle est faite à trois niveaux. Elle est faite par chez les donneurs d'ordre en matière de cahiers de charges qu'ils mettent en place, chez les formateurs pour qu'ils se convertissent au digital intelligent et non pas le digital plat comme ça a été fait en présentiel, et chez, bien sûr, le bénéficiaire
qui doit avoir des connexions qui sont fluides pour qu'ils puissent suivre des formations en temps réel. Et le plus grand exemple de tout ça, c'est ce qu'on a vécu avec les eaux et forêts en matière de formation à distance. Et les évaluations, ils étaient faites en présentiel et ça a pris 2 heures de leur temps au lieu de rester pendant 15 jours à suivre la formation sur les bases de données. Voilà. Donc, mais en ce qui concerne le reste, les imminents intervenants avant moi, ils ont pratiquement ratissé large. Donc, ils ont pratiquement de tout. Voilà, madame. Merci, merci, monsieur Mihamou. La thématique, elle est assez riche et donc il y a beaucoup de choses d'autres à dire, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Nous avons reçu pas mal de questions de la part du public et puis je rappelle qu'il y a une équipe qui va synthétiser bien sûr les questions. Et je commencerai peut-être par vous, monsieur Mihamou, du moment que vous êtes là. Alors, peut-on digitaliser toutes les formations, y compris les formations techniques? Écoutez, moi, à mon avis, il y a une autre expérience que je n'ai pas, qu'on a faite par solidarité avec l'Office de formation professionnelle qui date de quelques mois, où on a partagé sur une plateforme un contenu CAO sur la mécanique automobile. Alors, la mécanique automobile, c'est du pur technique. Et je vous assure qu'on a eu des statistiques, un rapport qu'on a reçu dernièrement, il y avait 26 000 accès. Ça veut dire que même le technique, on peut aussi le digitaliser, mais ça suppose un développement spécifique pour un certain nombre de produits. Sans oublier que la solution préconisée par les grands de ce monde en matière de formation distancielle, c'est le mix. Ça veut dire qu'il faut faire du présentiel et du distanciel pour pouvoir calibrer un certain nombre de choses. Mais même le technique, aujourd'hui, peut se faire aussi à distance. Mieux que ça, c'est qu'on peut faire des simulations CAO sans avoir à investir dans du matériel lourd. Donc, je peux avoir des simulateurs sur lesquels je peux simuler un certain nombre de choses et sans avoir à équiper un laboratoire. Et nos amis qui sont dans l'université peuvent en témoigner aussi. Voilà, madame. Merci. Peut-être une question équivalente à la... Là, oui, vous voulez parler? Peut-être oui, que je vais poser rajouter... une question équivalente à madame Emmanuel. Je vous laisse parler, monsieur Abdelawi. Oui, je vous disais juste pour vous apporter un témoignage par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que les formations techniques peuvent se faire à distance? C'est surprenant. Participant à des rencontres internationales, c'est surprenant ce qui se fait à ce niveau-là. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans les universités, dans les facultés de médecine, on ne fait plus de dissection comme on faisait sur des cadavres, etc. Et vous avez des logiciels qui vous permettent de faire des dissections et d'apprendre toute l'anatomie du corps humain comme ça, mais d'une manière absolument ahurissante. Donc les formations techniques s'adaptent aussi très, très rapidement à cette évolution. Je voulais juste apporter ce témoignage. Une question qui est le tout à distance me paraît difficile pour des formations spécialisées, médecine, laboratoire, auditeur technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame. Est-ce qu'on peut digitaliser le tout pour des formations qui demandent, bien sûr, des exercices pratiques? Madame? Oui, voilà. Je vais aller dans le sens de précédentes interventions. Hein. Aujourd'hui, effectivement, il existe des logiciels, des outils, de la réalité virtuelle qui nous permet de faire un certain nombre de choses à distance. Voilà. Mais en tout cas, au CNFPT, ce n'est pas vraiment l'outil qu'on a pris pour le moment. Aussi, certainement aussi pour des raisons de coût de développement aussi. On garde l'idée du blending, hein, c'est-à-dire de faire un tiers distance, un tiers présence, enfin, voilà, de réfléchir dans la scénarisation à ce qui reste pertinent à distance et ce qui aussi doit être plutôt réalisé voilà, en salle, en situation professionnelle, sur place.
Merci. On va aller très loin encore. Ouais. J'ai une question pour Monsieur Meliani. Monsieur Meliani. Alors, est-ce que la formation de base serait impactée pour bien ancrer la culture du digital dans l'administration? Oui, tout à fait. Maintenant, à l'instar d'un certain nombre d'institutions, on était dans l'obligation de mettre en place donc un dispositif pour maintenir la continuité pédagogique. Et nous avons fait une évaluation la semaine dernière vis-à-vis des élèves et des apprenants fonctionnaires. Et le résultat est un peu mitigé parce que autant ça a permis quand même aux apprenants d'investir quand même un champ assez nouveau pour l'apprentissage, mais on a senti un besoin d'être dans le présentiel. Je pense que ce qu'il faut développer par la suite, des offres hybrides, il faut peut-être combiner à la fois ce spectre qui est offert par le digital, le distanciel, mais également, il ne faut pas oublier qu'on a besoin encore de prodiguer des formations, notamment pour la formation initiale, parce qu'on travaille sur des compétences bien précises. Maintenant, il y a tout un enjeu, parce que les compétences pour lesquelles on est en train de préparer les gens, peut-être que ça va être des compétences dépassées, parce qu'on a un monde qui change, on a d'autres besoins qui émergent, d'autres métiers qui peut-être vont émerger. Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire, engager avec le milieu professionnel, la sphère publique, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour éventuellement travailler sur l'offre la mieux appropriée pour prendre les besoins, prendre en charge les besoins qui vont se présenter dans le futur. Mais on est dans une situation paradoxale quand même, parce que autant on est en train d'interpeller notre modèle économique et social pour le centrer sur l'humain, et donc je crois qu'il y a des voix qui sont en train de remettre en place tous les paradigmes dominants, mais en même temps, dans le distanciel, on est en train de pousser les gens à être moins dans cette proximité qui est indispensable, parce qu'on ne peut pas former des gens sur des compétences sans intégrer cette dimension humaine et empathique dans leur façon de faire. La complexité de l'action publique interpelle la mobilisation de beaucoup de disciplines, de compétences, mais également, elle laisse quand même une marge assez importante pour l'humain. Et je pense que il faut également préserver ce genre de formation dans le futur. Voilà. Monsieur Miliani, j'ai une question rapidement, Monsieur Abdellaoui, sur le distanciel et son impact, enfin l'infrastructure sur le distanciel. Est-ce qu'il risque de créer un clivage chez les apprenants? Moi, je crois qu'il faut, remettre le débat ailleurs. Il n'y a pas le distanciel et le présentiel, ou le distanciel contre le présentiel, ou comparer l'un à l'autre. Tout à l'heure, je ne sais pas quel intervenant a dit, je pense que c'est le fait de faire aujourd'hui des projections PowerPoint, on est déjà passé au distanciel. C'est des évolutions naturelles. La seule chose qui s'est passée, c'est que là, les choses se sont accélérées. Il ne faut pas mettre l'un contre l'autre ou l'un à comparer à l'autre. Ce sont des évolutions normales, absolument irréversibles, que nous sommes en train de connaître. Et tout cela va se faire naturellement, parce que l'être humain s'adapte aux changements, s'adapte aux évolutions technologiques. Il y a 20 ans, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, tout le monde a ça. Et même quand on avait, c'était un téléphone. Maintenant, on ne sait pas si c'est un téléphone ou un ordinateur, je ne sais pas ce que c'est. Et tout le monde s'est habitué, même les plus vieux comme moi. Donc le problème n'est pas ce débat à mettre l'un contre l'autre. C'est une évolution naturelle qui va se faire dans le domaine de la formation, comme elle va se faire dans d'autres domaines. Nous sommes en train, aujourd'hui, le monde, l'humanité est en train de vivre un moment probablement historique, oui, il est historique, mais c'est une évolution absolument unique dans l'histoire de l'humanité, ce que nous sommes en train de vivre. Le digital dans la formation, le big data, l'intelligence artificielle, tout ça. Dernièrement, j'étais dans
conférences avec des, dans le domaine médical, et les médecins s'interrogeaient sur leur devenir. Il n'y aura plus de médecine parce qu'il y aura de l'intelligence artificielle, il y aura des spécialités qui vont disparaître, on aura des robots qui vont nous opérer, des machines automatiques qui vont prendre notre biologie, notre sérologie, etc. etc. Et ça, c'est une vue de l'esprit. Bien sûr qu'il y aura des machines, bien sûr qu'il y aura des robots, mais il y aura toujours l'humain, et l'humain va s'adapter. Et dans le domaine qui est le nôtre, c'est une évolution naturelle. Il faut la vivre comme quelque chose de naturel et l'accompagner. Accompagner les compétences, parce que comme je disais tout à l'heure et comme l'a été répété à plusieurs reprises, faire un cours en présentiel n'est pas la même chose que faire un cours en distance. Accompagner au niveau pédagogique, au niveau ingénierie pédagogique, Madame tout à l'heure le disait, ce n'est pas du tout la même chose. C'est même peut-être complètement différent. Il faut revoir la pédagogie. Hein. On a même parlé des durées, etc., etc., de formation. Les méthodes d'évaluation, tout ça, il faut accompagner ça sereinement, intelligemment, et ne pas opposer l'un à l'autre. C'est demain, la formation dans le monde est une formation qui va utiliser les nouvelles technologies de l'information. Et je dirais, enfin, enfin, malheureusement, Steve Jobs, comme je disais tout à l'heure, est mort sans voir ce jour-là. Je pense que là-haut, il doit être très heureux parce que ça fait partie des secteurs qui n'ont pas été impactés. Eh bien, c'est comme ça. Ça va impacter le secteur de la formation. C'est de là-haut. Peut-être je demanderai à Tassiasmani qui a son micro. Bon, en tout cas, nous avons d'autres questions, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout traiter. Je vais donner la parole à M. Khalmoudi pour réagir peut-être à tout ce qu'on avait dit. M. Khalmoudi ? Oui, merci Sonia. Merci aux experts invités. Peut-être comme réaction à chaud. En tant que responsable dans une administration publique. Tout d'abord, je partage toutes les idées et les propositions de nos invités experts. Je les remercie vivement pour le partage d'expérience. C'était très riche en enseignement et j'espère que les participants, nos invités participants qui nous suivent à travers les réseaux sociaux du ministère, ils ont trouvé des réponses ou des éléments de réponse par rapport à leurs préoccupations. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que cette pandémie, on est tous d'accord sur la nécessité de transformer la crise en opportunité. Pour le secteur qui me concerne, donc l'administration publique, c'est une opportunité pour accélérer le processus de modernisation. Une opportunité pour offrir un service public de qualité dans les meilleures conditions. Fonctionnaire que je suis, à travers cette crise, j'ai vu apparaître de nouveaux métiers. Aujourd'hui, au niveau de l'administration publique marocaine, à la porte, vous trouvez quelqu'un qui prend votre température. Ça n'existait pas dans le passé. Ça n'existe pas avant la crise. Aujourd'hui, dans l'administration marocaine, on est en train de voir la disparition du bureau d'ordre. Vous imaginez une administration publique sans le bureau d'ordre? C'était le symbole de l'administration publique. Un fonctionnaire que je suis, je vois de nouveaux métiers, je vois la disparition de nouveaux métiers. Cette transformation au niveau des métiers nécessite un dispositif de formation qui va accompagner cette transformation. Ce monsieur qui est devant la porte, qui mesure la température, il a besoin de formation. Ce monsieur qui occupait le bureau d'ordre, pour lequel aujourd'hui, on n'a plus de bureau d'ordre, c'est en voie de distinction. Il faut qu'on lui assure la transition nécessaire pour occuper un autre poste. Donc, c'est un dispositif de formation à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec Serge Marie à la fin. On ne discute pas aujourd'hui le présentiel ou le digital. On discute quelle formation.
Et je pense que les deux dispositifs peuvent être complémentaires. L'avenir nous dira, est-ce que c'est le digital qui va emporter sur le présentiel? Peut-être qu'il y aura des formations qui vont nécessiter davantage, peut-être encore, du présentiel. Je vais vous raconter peut-être l'expérience du ministère de la Finance et comment on a vécu ces trois derniers mois. Comme vous savez, donc, on est un ministère qui a un institut de finance. Donc, on assure un certain nombre de formations pour nos fonctionnaires. Donc, avec le début du confinement, on a une partie de nos personnels qui en télétravail, une partie qui est en présentiel, une partie avec des situations vulnérables. Donc, on a eu plusieurs catégories de personnels. Et on a recensé ce besoin de formation, surtout au niveau des gens qui sont restés chez eux confinés. Et on a plusieurs contrats avec des opérateurs de formation, on a posé la question aux opérateurs de formation, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Il y a des opérateurs qui nous ont dit que non, on ne peut pas, il faut nous donner des ordres d'arrêt. Donc, ordre d'arrêt, donc c'est un manque à gagner en formation pour notre personnel, mais aussi c'est un manque à gagner pour l'entreprise, pour le cabinet. Je félicite si la Boulangerie, il nous a dit qu'au bout de 15 jours, ils ont transformé tous les dispositifs de formation en ligne. Oui. On ne vous entend pas très bien, peut-être un problème de connexion. C'est juste si vous pouvez répéter la dernière partie. En fait, par rapport au contrat qu'on a avec nos opérateurs de formation, on leur a posé la question, est-ce que vous pouvez nous offrir des formations adaptées au nouveau contexte? Il y a la majorité des opérateurs qui nous ont dit non, on peut pas. Donc, nous étions obligés de donner des ordres d'arrêt. Et l'ordre d'arrêt, donc, c'est un manque à gagner pour le ministère. Donc, on va pas faire la formation pour le personnel. C'est un manque à gagner aussi pour l'entreprise parce qu'il ne va pas faire le service. Donc, du coup, il ne va pas être payé. Un certain nombre d'opérateurs, ils ont répondu à notre préoccupation. Donc, ils ont transformé les formations en formations en ligne. Donc, du coup, l'idée qui a été discutée par les uns et les autres, la nécessité de s'adapter aux nouvelles circonstances. Et les opérateurs aujourd'hui, ils sont obligés d'adapter leur offre de formation aux nouvelles circonstances. Les opérateurs de formation, à mon sens, doivent être des locomotives pour leurs clients ou l'administration. Je terminerai par un point qui a été dit par Cyrano, l'humanisation. On a beaucoup parlé du digital. Pour moi, le digital n'est pas le résultat, c'est un moyen. C'est un moyen pour atteindre un résultat. C'est l'esprit même de la loi organique des finances. Il ne faut pas oublier la qualité RH, la qualité du manager et la qualité des producteurs d'idées. Aujourd'hui, pour tirer profit de cette crise, on a besoin de managers, on a besoin de RH capables de produire de nouvelles idées, des idées qui peut-être vont marquer la rupture avec une façon de faire avant le corona. Merci. Merci, M. Hamoudi. Donc, la réflexion sur la thématique a permis de mettre le point à la fois sur la nécessité de la transformation digitale dans le secteur de la formation, sachant que la période de confinement était l'occasion de se réinventer professionnellement, mais également de redéfinir les priorités. Donc, je crois que nous arrivons à la fin. Je tiens à remercier particulièrement nos conférenciers qui ont répondu présents à notre invitation, malgré un emploi du temps très chargé. Merci pour la richesse de vos interventions. Donc, nous retiendrons le fait d'organiser l'intervention des opérateurs de formation en matière de conduite de cette phase post-état d'urgence, sensibiliser les partenaires internes et externes de la formation sur leur rôle dans l'accompagnement de ce processus, partager l'expérience de bonnes pratiques sur le développement des actions de formation en ligne et proposer des approches et outils de formation adaptés au contexte actuel. Donc, merci également aux participants qui, par le niveau du débat autour du sujet, témoignent de sa réussite. Et nous espérons nous revoir très prochainement lors d'un nouvel meeting. Merci, Serge Maudit, et merci à tous les intervenants.
Merci. Merci, madame. Merci à vous. À très bientôt. C'est mal. Merci, c'est Khalmoudi. Assalamu. Merci. Raïkoum. Tout le monde est parti. C'est une semaine qui est Ah ben oui. Allez, salam alaikum. Salam. Salam. Salam.